Bon bah c'est parti. Bonjour. Je vous préviens, donc du coup j'ai fait des changements de setup pour pouvoir vous lire. Je vais peut-être déplacer ça d'ailleurs. Pour avoir la de ce côté. Merci. Voilà. Peut-être baisser ce côté-là. Ça, je tournerai un peu moins la tête. Papa, papa, papa. Encore un peu, si tu veux. Agrandir ça. Merci. Mon son général est un peu bas. C'est ça que tu me dis. Bah, le truc, c'est qu'il n'y a pas de général, c'est séparé. Mais je vais vérifier du coup. Attends. C'est possible, parce qu'en fait, là, j'ai des problèmes d'écho, donc c'est le problème. Je vais checker ça tout de suite. Bonjour. Je vous vois un peu en étalé là. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut pas s'agrandir. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas agrandir de ce côté-là. Est-ce que là je peux l'agrandir? Oui. Posage de l'heure. Merci Rivingbell, le petit chatot pour Rivingbell qui est en train de jouer à Eastward. Alors du coup, je m'entends, mon son est un peu bas. Oui, indeed. Alors là, c'est un peu mieux. Le son musical est un fond. Normalement, ça devrait être bon. Peut-être monter encore un peu le truc, mais j'ai un peu peur de l'écho. Oui, alors du coup, moi je fais quand même des limitages au niveau du son. Mais c'est une bonne technique. Alors attends, faut que tu m'expliques du coup. Est-ce que si je monte comme ça, la musique, ça devrait être bon là. Normalement, ça devrait pas recouvrir l'un comme l'autre. Il y a à peu près 2 décibels de différence. Et le jeu, il va crier un peu. Donc, je vous montre mon cadeau vu que vous êtes dans le coin. Le cadeau à la commu. Bonjour. Alors, du coup, on m'a offert une succulente par des gens qui aiment bien les succulentes. Les succulentes. Du coup, je vous montre. J'ai fait des petits dessins dessus. Voilà, ça va être la personne qui jouera sera donc cette succulente, bien entendu. Qui est pas du tout énervé. J'ai lancé le jeu en même temps. Attendez, faut que je baisse peut-être le son. Je vais baisser le son. Voilà. J'ai totalement fermé le truc. Je la laisse très très longtemps de façon à ce que ce soit en affichage Twitch, hein, bien entendu. Alors, du coup, on est du côté Deck Monster. Ouais, alors, attendez, faut que je vous montre. Y a plus de musique. Le jeu! Bien entendu, je n'ai tout à fait choisi pour le kicker. Qui est totalement le kicker, hein, bien entendu. Notre Floppy Knight de base. Voilà, donc du coup je vais la laisser comme ça, je pense. Je vais la garder à côté de moi. Alors le son a l'air bien. Je baisse, je reviens sur mon deck de base. Mon retour direct. Et j'avais mon deck il y a 3 secondes, je crois que je l'ai supprimé sans faire exprès.
Lol. Alors, c'est où que c'est déjà? Faut que j'aille dans historique peut-être. Voilà. Le deck streamer bot qui est quand même carry, même s'il y a des petits bugs de temps en temps, mais je pense que c'est parce qu'ils viennent de l'implémenter et que c'est donc un bêta test. Alors, après les recommandations de Clem Lelu, comme quoi je regardais trop bas, j'ai essayé de modifier le setup. Du coup, je vais regarder par là, au lieu de regarder par là. Chose qui, déjà, est mieux, je pense. Par contre, quand je vous parle, ça va être de ce côté-là, donc c'est très étrange pour moi. C'est pas optimal. De toute façon, c'est pas clairement le bon setup ici. Je vous le dis. Rien n'est fait pour que ce soit comme ça. Voilà. On avait trouvé deux. Ah oui, on avait notre Teen Spirit la dernière fois. Attendez. On avait rajouté des armures, on n'avait pas essayé. Est-ce que notre Teen Spirit est plus important que notre. Parce qu'en fait, il est pas très fort, notre Kiver Kid, qui est alias notre archer. Ni à gauche ni à droite, je vois le genre. Non, 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 mais j'ai essayé de centraliser le truc pour pouvoir que quand je vous parle, en fait, je sois plus ou moins face. Mais c'est vrai que je devrais être plus comme ça pour jouer. Et j'avais inversé le truc, sauf que maintenant je commence à avoir des problèmes de câble. Donc. Voilà. Et le problème, c'est que j'apprécie pas trop de regarder sur la droite pour pouvoir vous parler, sachant que sur l'affichage, vous êtes à gauche. À droite aussi, mais du coup, ça, il faut que j'inverse la caméra, quoi. Un peu bizarre comme truc, non? Bon, on va voir. Le jeu, de toute façon, est par là, donc normalement, ça devrait être bon. Il faudrait que juste que je fasse des petits regards de côté pour pouvoir vous lire. Voilà, en tout cas, je suis bien posé. Le chat au-dessus, ce serait pas mal, non, pour toi? Bah, en fait, le truc, oui, mais c'est juste que. En fait, je suis un peu grand. Il faut que je vous le dise, c'est le problème, c'est que je suis un peu grand. Là, je surhausse déjà pas mal de choses pour pouvoir éviter de me casser le dos. Je suis plutôt bien posé là. Hein. C'est-à-dire que mes genoux sont à 45 degrés, je crois que c'est ça, 40, 90 degrés, je sais plus. 40, 90, je crois. Donc je suis à la bonne taille de mon assise. Le problème, c'est je suis à la bonne taille de mes écrans. C'est-à-dire que j'ai un écran qui me permet de travailler un peu énorme pour pouvoir avoir les détails bien, que j'utilise comme endroit de jeu, et l'autre qui me permet de streamer. Sauf que le problème, c'est que c'est l'ordinateur principal, quoi. Et le problème, c'est que je n'ai pas trouvé la team tabouret dessinateur ici. Eh bien. N'ayez pas peur de vos dos, les dessinateurs et dessinatrices. S'il vous plaît, sauvez vos dos. Tabouret, ça tue. Moi, c'est surtout la taille du bureau qui m'intéresse quand je dessine. Puisque, bien entendu, vous avez dû voir mes qualités de dessinateur. voilà. Du coup, on va peut-être garder Teen Spirit. Parce que, quand même, 5 points de vie. Hein, et ça coûte moins. Hein, donc, voilà. Même si il n'attaque pas à distance. Le tabouret, c'est génial. Je sais pas. Moi, j'essaie de sauvegarder mon cul et mon dos. J'avoue. Pour la suite de la vie. Si c'est possible. C'est ceux où les genoux sont appuyés. Ah oui, je vois. Oui, c'est très bien, hein, du coup. Ça, c'est très bien. Ah oui, alors, je suis totalement team celle-ci. Alors, du coup, j'ai jamais trouvé ça nulle part dans ma vie. Donc, dans le futur, peut-être. 20 ans que tu pratiques, bravo, Nagual. Faudra que tu me montres un peu le taf. Si c'est pas trop gênant. Parce que je sais que c'est dur, des fois, de montrer les teufs. Est-ce qu'on a des trucs à acheter? Je crois pas. On a tout claqué la dernière fois. Ah non, on a peut-être rien claqué. Ah oui, c'est vrai. Non, je viens de claquer là? Is that serious? Que j'enlève le HUD. Est-ce que ça a enlevé le HUD? Non, pas du tout. Nique-moi. Enlève le HUD là. T'es connecté, StreamerBot. Enlève le HUD. Ah, merci. J'ai claqué ou pas? Non, j'ai pas craft. Bon, c'est bon. Donc ça m'augmente ma protection.
C'est tout, et ça se détruit. Donc ça va être intéressant, mais on s'est déjà équipé de plein d'armure. Attaque un ennemi et strike and destroy. Donc ça c'est pas mal, ça attaque. Et après ça rajoute strike qui permet d'attaquer un ennemi pour 0. Alors là vous voyez pas trop. Ah oui, faut que je déplace la caméra. Attendez. On va faire ça comme ça. Il y aura nos. Voilà, je cache encore plus ce qui était écrit. Mais il y aura les points d'attaque en dessous. Ça aurait été intéressant, mais on s'en fiche. Ça, c'est pas mal parce que ça attaque selon l'armure que tu as. Et sachant que je me suis dopé en armure la dernière fois, je pense que c'est pas mal. Tu peux mettre un lien direct, j'ai autorisé depuis ouais, un an, je crois. Mais pour l'instant, ça va. Les spams se font jeter en l'air par les bots, donc tout va bien. Donc on en était là. On avait fait notre passage brouillard où on avait eu du mal à faire les objectifs. Les objectifs, on s'en fiche en vrai. Les bonus, hein, je parle. Ah, non, ça a été automode, je l'accepte. C'est Twitch chat qui a automode. Ah oui, c'est carrément la faute le fauteuil. Alors attends. T'as mis plein de trucs derrière. Bon, je vais checker vite teuf. Checker vite teuf ça. Ouais, parce qu'il y avait des balises derrière ton lien, Nagual. Ah bah du coup c'est peut-être les balises qui ont sauvé ton truc. Parce que je l'ai effacé mais ça marche pas. Ok. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Mais ouais, du coup ça c'est bien. Hein. Après sur la longueur ça marche bien. Parce que c'est vrai que si ça fait 20 ans que tu fais ça déjà, et que tu l'utilises, efficace quoi. Et je fais 1m83, le mieux c'est d'essayer chez quelqu'un. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je fais 10 cm de plus, à peu près. Ah mais à la maison il y a un truc. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Ah! Ah oui, c'est dans la maison, c'est les défis quotidiens, enfin les défis quotidiens, les défis qu'on débloque. Je suis un peu grand pour la nation française, il paraît. Si on parle de nation. Faut que je détruise le satellite et que je gagne 10 tours. Bon, tout à fait, on va réussir, bien entendu. C'est connu. C'est connu que je vais réussir. Phoebe! Comment exactement tu comptes traverser les cavernes chimères? Donc ça doit être, je sais pas. Tie into your or plan to take on that evil robot guy. En traversant, bah, grâce à notre. Enfin, parce que c'est à cause du plan, justement, où on doit se débarrasser du robot méchant qui a volé nos floppy nights, hein, rappelez-vous de la dernière fois. Eh bien, Carlton, comme je l'ai dit. Il a eu la facilité de décrypter toutes mes informations, ça doit être plutôt dur. Moi, c'est ce que je vais faire aussi. D'ailleurs, si t'as des conseils pour la construction d'un bureau, n'hésite pas à me dire aussi. Hein. Parce que c'est ce que je vais faire, je pense. Parce que là, je suis limité en place. Je dois faire un bureau de 1 mètre. Je vois des pieds qui font du 36 cm, c'est l'enfer. Donc c'est pas possible en fait. Je n'ai pas 30 cm de jambes. J'ai un peu plus quand même. Et en plus il faut que je l'incline potentiellement et que ce soit un peu loin. Donc c'est complexe pour moi. Donc tu... Eh bien nous devons faire quelque chose de spécial pour le faire tomber. J'ai développé un virus qui devrait nous aider à taper son intelligence artificielle. Panneau d'OSB, d'OBS, et si, d'OSB, pas du MDF, c'est de l'OSB carrément. Je sais même pas ce que c'est l'OSB. Et 6 plus vis, oui, ça c'est ce que je comptais faire aussi. Et une fois qu'on est dedans, je pourrais effacer toutes ces copies de mes floppy nights, ok. Et ensuite il sera incapable, mais j'ai pas mis la lumière en fait, c'est pour ça que je suis très sombre. Il n'y a qu'une lumière symbolique de véritable.
Alors, les lumières quechua sont allumées. Devrait pouvoir s'en débarrasser. Et il ne pourra plus faire de mal. Eh bien, c'est un gros travail. Est-ce que tu penses que les méchants seront convaincus de ce simple. Ces simples lois? Pourquoi la loi? Je ne crois pas. Et ce virus est plutôt complexe. C'est ce qui nous amène ici. OSB, c'est du bois collé, d'aspect pas trop moche. Faut aimer. C'est pas trop cher, moins maintenant, mais ça reste le meilleur rapport. Ok, je regarderai. J'ai besoin d'une gemme spéciale qui s'appelle la chimérite pour faire fonctionner tout ce matos pour le virus. C'est. Alors, c'est baigné dans des pouvoirs magiques. Et ça me pousse qu'ici. Et bien sûr, c'est plutôt effectif pour faire fonctionner les grosses machines. Ah, pourquoi ça a changé de bruit? Ses yeux, je sais pas comment on dit, Stony, c'est plus dur. Mais. Oui, c'est grosso modo blaze vis, ça veut dire grâce, je sais pas comment on dit, c'est des mots religieux donc j'ai du mal. Blaze, je sais plus. Merci de ces yeux durs. Est-ce que ce serait pas. Salut Tomato Jules, comment tu vas? Alors allez voir Tomato Jules sur sa chaîne TikTok, qui n'est pas bien sûr Tomato Jules sur TikTok. Salut, est-ce que tu veux voir notre Floppy Knight qu'on m'a offert? Que j'ai custom. C'est une succulente qui joue à ma place. Je pense que ça te plairait, Tomato. Alors, Suzy, je vois beaucoup de remplacements par des codes dans ton chat à l'écran. Je sais pas si t'avais vu. C'est Streamlabs qui déconne en ce moment, d'après ce que j'ai compris. Il perd les caractères spéciaux. C'est-à-dire les caractères français, entre autres. Donc les A avec des accents, etc. Eh bien, moi, ça va. Nous, ça va. Du coup, la succulente va bien. Elle a fait son bain hier, parce que du coup. Vous savez, quand vous récupérez des plantes, elles sont en général très sèches. Là, elle était vraiment desséchée. Donc, je l'ai inondée pour pouvoir faire en sorte que elle puisse avoir cette tête-là, ce qui est une bonne tête, je trouve, pour aujourd'hui. On verra demain et je vais pas l'arroser pendant une semaine parce que les succulentes, ça boit pas masse. Faut faire attention avec ce genre de plantes. Alors, est-ce que ce ne serait pas ce duo héroïque, Phoebe et Carlton? Alors, du coup, j'ai cliqué, mais je clique nulle part. Excuse me, vous parlez de nous? Alors, je ne vois pas son nom. C'est Napoléon? Isvat Napoléon. Tu es cancelled. 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 Et la police tue? Voilà. Est-ce qu'on n'a pas un truc spécial cancelled pour Napo, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a Napo en face de nous là? Où est Streamerbot? Streamerbot. Est-ce qu'on n'a pas une action audio ou vidéo? Voilà, objection. Voilà, merci. Je t'objecte tout de suite. Tu es cancel. Ah, je l'entends pas. Mais je l'ai vu passer. Je l'entends pas. Je ne sais pas pourquoi. Par les plantes succulentes, ça me fait penser qu'il faudra que j'aille récolter du romarin. C'est du romarion ou du romarin? Mais j'imagine que le romarion, c'est un joli nom pour les romarins, pour faire mes pâtes. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme un petit onc aussi? Un petit onc pour Napo. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce qu'on a une vidéo? Ah, celui-là, je l'ai entendu. Ah, le Konami Code, je l'ai pas mis. C'est vrai que j'avais un easter egg spécial Konami Code. Ok. Eh bien, vous êtes pas les deux héros que tout le monde parle. Tu as sauvé Cinderclive et tu as nettoyé Whittlewood de ce terrible brouillard. Et maintenant, tu es ici pour nous sauver. Eh bien, à vrai dire, on est ici pour acheter des chimérites. Eh bien, je suis désolé de vous informer que
acheter des chimérites est interdit pour le moment, dû à... enfin, interdit, est suspendu plutôt, dû à un kidnapping de notre entière usine de mine, enfin notre mine quoi. Kidnapping? Ou plutôt hijacking. Alors hijacking c'est détournement on pourrait dire. Si c'est le bon mot. Bah, ou tenu en état, en otage, qu'importe, nos chimérites ne sortent plus de cette mine à ce moment. Et tu vois, nos mineurs ne sont. Alors oui, il faudrait qu'on parle un moment du fait que Floppy Knight est quand même très focalisé sur le fait de travailler. Il y a un moment où il faut arrêter de travailler, je pense. C'est toujours bien d'avoir des petits trucs. Et ça me fait penser à des petits trucs, des petites pauses. Et ça me fait penser à un truc que j'ai partagé d'ailleurs sur Twitter. Je vais vous l'envoyer. Il y a quelqu'un qui a fait des combats de Pokémon de pixels. Donc il a mis une couleur pour chaque pixel. Il a fait un truc un générateur de randomisation dessus. Pour voir qui allait gagner. Je vous envoie ça. Voilà, ça me fait penser à ça parce que c'est un peu exactement ce pourquoi nous jouons à ça. Ça ressemble beaucoup à Pokémon, sauf que à Pokémon, on se balade quand même. On travaille moins. Nous, mineurs, du coup, on va pas faire nos heures, d'après ce que j'ai compris, à aller chercher des chimérites. On peut pas aller chercher, on ne peut pas faire nos heures à aller chercher du coup nos chimérites. Et puis bam, si j'ai bien compris. Cette gigantesque machine à faire des trous de métro, donc une drill, ce qui s'appelle une sorte de vis. Alors je sais plus comment. Je ne connais pas la machine, hein, je ne peux pas vous dire, mais ça ressemble à une machine qui fait les trous de métro, qui est venue de nulle part, et qui a fait tout un chemin dans nos cavernes, dans nos systèmes de cavernes du coup. Et ça a. Alors, Kevin, ça y est, un jeu de mots, mais du coup, ça a sans doute recréé du coup d'autres trous, et ça a dû comment ça s'appelle, casser des parties de la caverne. On a dû tout évacuer. Qui est responsable de cette. Encore une blague, de ce carnage caverneux? Eh bien, on dirait que c'est un gang local de gobelins de glace. Qui sont responsables. Alors, s'il vous plaît, les gobelins ne sont pas tous méchants, s'il vous plaît, merci. Ce serait bien d'avoir d'autres représentations des gobelins. Ils sont plein il y a plein de mines, enfin, ils sont partout dans la mine. En faire en sorte que personne ne rentre. Tu rigoles? Des gobelins? Ici, encore? Eh bien, vous allez nous aider à essayer de récupérer notre mine. On pourra recommencer à produire. Quel enfer. Et si. D'ailleurs, je devrais enlever la cam. Voilà. Et si on va plutôt vite, notre caverne serait. Se reformerait toute seule. Et ça prendra. Alors, ça prendra des années avant qu'on puisse. En rentrer dedans. Des années, mais on n'a pas des années, on a besoin de la chimérite maintenant. Alors, ça, c'est encore une phrase de productif bizarre, c'est de dire c'est j'en ai besoin pour hier, j'en peux plus, niquez-vous. Phoebe, il n'y a pas besoin de se plaindre, on n'a pas le choix, excepté d'avoir notre don. De chapeau de héros, alors c'est or hero hat, je ne comprends pas si to done ou soulever, je ne sais pas. À propos de gobelins pas tous méchants, je suis tombé sur le côté antisémite des vampires chez Bram Stoker qui est pas mal aussi. Non mais là en fait il y a le début de Bram Stoker de mémoire, tout le passage du début avant même l'arrivée dans le château est antisémite de mémoire. Il n'y a pas que juste la représentation, mais il y a beaucoup de choses en représentation qui sont très très antisémites. Hein. C'est ça qu'il faut faire archi gaffe, c'est que la plupart de notre culture, du Nord, hein,
et solidifié sur ce genre de peur, qui est ah oui, le complot modèle, bien sûr. Bien entendu. Ah, tu as des chapeaux spéciaux? Intéressant. Mais qui suis-je pour questionner tes méthodes? Vous êtes vraiment les fameux héros, les plus fameux héros du coin. Merci, merci de nous flatter, cher Napo. Mais je te hais. Rien que pour ton prénom, sur le coup. Eh bien, je ne ferai pas une habitude de travailler, d'être un héros qui travaille gratuit. Alors ça, on est d'accord, le travail gratuit, c'est pas cool. Mais on a besoin de récupérer du coup de la chimérite et je suis inquiète de ne pas réussir à finir mon virus. Eh bien, on va t'aider. Eh bien, merci pour ces... alors, Stone Bones, du coup, c'est des blagues sur les pierres, ces os de pierre. Tu n'as aucune idée ce que ça veut dire pour nous. Ça nous sauvera nos boulots. Je ne veux pas revenir à... Alors, le retail, c'est ce qu'on... C'est comment ça s'appelle? Les personnes qui s'occupent des cartons dans les usines. Je ne me rappelle plus du terme. Je ne suis pas coupé pour ça. Ah, une référence à Spelunky? Vente de détails, merci. Retail. Ah, c'est pas ceux qui s'occupent des cartons, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. C'est pas logique. Tu as vraiment... Alors, you ever been Spelunking? Spelunking, je ne vois pas le terme. Mais je sais que c'est utilisé dans un jeu qui est sorti récemment, qui s'appelle Spelunky 2. Voilà. Non, ça ne peut pas être différent que... Ça ne peut pas être aussi différent que défragmenté. Je pense que c'est vraiment différent. Enfin bref, allons-y. Bonne chance, et n'oubliez pas vos chapeaux. Alors on a un hooligan deck qu'on ne va pas utiliser. Je précise, nous on est sur les plantes. On est pour Vera. Vera, l'aloe vera, bien entendu. Practice of hobby of exploring underground cavern. Ah! Du coup, c'est de faire de se balader dans les catas. Je comprends. Je remets la cam. Bonjour. La cam qui est gêne. Attendez, pour gagner, il faut faire quoi? Mais on va voir d'abord la cam, faut que je la monte encore. Pili pili, pip pip pip. Voilà, vous voyez les chiffres, c'est le plus important. Alors, pour gagner cette bataille, il faut détruire le satellite gobelin. Bon, Vera. Alors, voyons voir le terrain. Ah, mais vous allez prendre cher en fait. Vous savez que là... Ah oui, c'est vrai qu'il y a. Ah oui, il y a des spawns cachés. Mais ils vont avoir du mal à venir ou il faut qu'ils cassent les trucs, c'est ça l'histoire? Le terrain a l'air un peu compliqué là sur le côté. C'est moi qui dois casser tout ça pour pouvoir arriver là et bloquer les gens? Mais en fait, eux, ils vont pas les casser? C'est ça l'histoire? La neige est un obstacle. C'est ça que ça veut dire. Bon, on va commencer en bas. Kibi, regarde ces montagnes de spéléologie en français. Oui, c'est vrai que ça paraît plus logique de le dire comme ça. Regarde ces montagnes de neige. On n'aura pas l'habitude, on ne pourra pas se déplacer sans se débarrasser. Deux. Eh bien, tu as raison. Floppy Knight can blast through. Oui, bon, les Floppy Knight peuvent se débarrasser de ça. On devrait peut-être en laisser pour ralentir les ennemis. Ouais, mais le problème, c'est que ça a sauté au bout de 3, là. Les gobelins, ils sont tous mignons, hein. On est d'accord. Donc là, c'est un Polar Pawn. Alors, du coup, il a 2 d'attaque, il a 1 de. Bon, je pense que lui, on va s'en débarrasser bien. Lui, c'est un peu plus chiant, il a 12 de vie. Et 3 d'attaque, il a de la défense en plus. Par contre, il se déplace très lentement. On aurait dû avoir nos personnes qui tapent de loin, ça aurait pu être pratique. Parce que de mémoire, les gobelins sont un peu chiants. Enfin, moins chiants que la dernière fois, mais. Bref, on va avancer. Non, on n'avancera pas. Je vais upgrader quelque chose. Ouais, on va peut-être augmenter ça.
me permet de claquer moins. Ou ça. Ça me permet d'avoir plus de vie. Sachant que je vais pas l'utiliser maintenant. En fait, c'est dans le futur du deck. Voilà, on va augmenter notre attaque. Et on va essayer de s'enfuir de ce chemin. Donc on va se mettre là. Faire genre. Eux, ils vont se déplacer de toute façon. Il y a des gens qui vont se pointer là. Vous n'avez pas bougé parce qu'il y a trop de choses devant vous. Il y a des forêts qu'on peut utiliser pour se cacher, j'imagine, ou se protéger en tout cas. Eh bien, on va faire ça. On va faire notre petite technique de hop. Et on va attendre. Et Tomato Juice, tu n'as pas vu notre deck de mignonnerie, hein. Les plantes sont très très belles. Purée. Ah oui, donc c'est des petits niveaux, mais ils sont chiants. Ils vont prendre combien de temps du coup pour les taper? Ah ouais, à deux, ça, celui-là, il est fini. On a personne à ramener, c'est chiant. On claque ça. Ah, j'ai une attaque de ligne. Ça, c'est bien ça. Sauf que ça sert pas à grand-chose là tout de suite. C'est vrai que j'avais fait ça. Je veux avoir payback. Et du coup, je vais bouger ici. Voir si ça le tente. Ce serait bien d'avoir d'autres personnes que notre Vera national. Tout de suite, c'est chiant, hein. Tout de suite, c'est chiant. Il tape quand même à deux, hein, c'est l'enfer. Il faut que je gagne en 10 tours. Déjà, j'en ai claqué deux. Ah, il y a Teen Spirit qui est arrivé, très bien. La Teen Spirit, qui se déplace bien, hein. Ouais, c'est 5. Et la 5 de vie, on va l'utiliser tout de suite. Move unit and add manual. Hop. Move unit, destroy. Donc ça, on peut le déplacer. Attaque ennemi, et je gagne. Hop, ni vu ni connu. Je vais déplacer notre Eugen. Et je vais booster. Je vais faire l'attaque normale aussi. Et je rebooste. On est bien, on est là. Et c'est bon. Vera va rester en haut pour l'instant. Je pense que notre Teen Spirit va gérer le truc. Oh, ah oui, c'est vrai que là, c'est un peu chiant. J'ai pas assez de... J'ai pas assez... Oh, bah tiens. Tout de suite. 2, 3, ça fait... Je pourrais me taper... Oh non. Est-ce que j'utilise le bon boomer pour les bloquer tout de suite, comme ça c'est fait? Oh là là. Oh, je suis face à un dilemme. Est-ce que j'augmente mon... Oui. Est-ce que j'augmente? Déjà, on va augmenter. Hop. Hop. Tu vas être notre bourrin de la vie. Et nous allons ramener notre... Alors, est-ce que c'est le bamboomer qui est nécessaire? Ou le... Non, le cactus. Est-ce que je peux m'en débarrasser d'un coup, je pense. Voilà. Et voilà. Donc du coup, la prochaine, normalement, ça devrait être bon. Ah, ça c'est bien, ça. S'il bloque, là. Il peut pas taper l'autre. C'est très bien. Très très bien. Ah, je vais pouvoir faire. Est-ce qu'il y a une ligne là? C'est magnifique. Il faudrait qu'on ait la carte de la ligne pour attaquer en ligne et c'est bon. Deux de vie. On va garder ça. Voilà, donc notre cher ami va bloquer ce coin. Ah,
Que je bouge bien. Il va se protéger. Voilà. Après, je peux utiliser son attaque. En vrai, je peux y aller. Hein. On va y aller. Je rappelle que j'ai boosté ma vie et j'ai boosté mon armure, donc normalement ça devrait être pas mal sur l'entièreté de la run. C'est juste qu'on va pas arriver en 10 tours, hein, clairement. Le son est très bas. Hein. La musique, j'ai l'impression. Là, je veux... Là, ça devrait être bien. Line attack, exactement. Voilà, c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors, on a un succulent. Ça peut être pas mal. Mais on va se débarrasser de... d'abord de lui. Voilà. Il nous faut de la vie pour Vera. On va ouvrir de ce côté-là, je pense. Ça, c'est bon. On va prendre un deuxième baril, histoire de faire le chemin. Parce que là, ça va se taper, ici. Et on va restaurer quelqu'un. Ah, il a été déjà restauré. Quel enfer. Mais je me demande si les paumes, là, les petits... Les petits gobelins, s'ils ils continuent à foncer en fait à travers tous toutes les montagnes de neige, parce que ça en fait beaucoup quand même. C'est là où je me dis un vol ça aurait été pas mal en fait. Le plus gros problème de ma vie c'est ça, c'est que je n'ai pas pris de vol. Non c'est bon, voilà merci. Move unit, add manual. Oui, je peux. Voilà. Je peux restaurer un peu de la vie à tout le monde. Faut qu'on déplace nous. Faut qu'on en déplace un. Un peu beaucoup, hein. Ah. J'ai bien fait de ramener l'autre, parce que si elle commence à péter le truc, là... Elle a quoi d'attaque, elle? Ah oui, elle a un range. On va l'attendre là, hein, je veux rien dire. Ouais, on va l'attendre là. Du coup, c'est pas ici qu'il faut commencer à spawner des gens, c'est déplacer notre... Mais non, c'est pas ici qu'il faut aller. Lol. On a cassé ça, c'est pas grave. Move unit, flip to rip. Parce que là, elle peut pas me toucher. Ok. On va se mettre là. Parce qu'au prochain tour, elle attaque. Et on va sortir un bon boomer pour pouvoir se sauvegarder en haut. La traversée va être infernale. En plus, ils ont... Il y a beaucoup de déplacements, quoi. Ok, je pourrais me débarrasser du prochain. Ok. On va pouvoir y aller.
Move unit, when restore. Elle a 8 de. Moi j'ai 3. Ça va faire 5. Ouais, après je me fais def par contre. Et toi t'as combien d'attaque? 2. On va faire ça. On va l'attaquer. Sur une carte, voilà, hop, c'est bon. Je peux peut-être me déplacer pour pouvoir m'échapper de lui. Oui, ce serait bien. Ça a l'air bien. Pour l'instant, ça se déroule plutôt bien. Bon, ça, on aurait pu le faire avant, mais c'est pas grave. Je me demande si je me mets là, là sur le côté, est-ce qu'ils vont devoir être obligés de péter ça? Oh là, ils sont tellement... Ça me stresse. Ils ont rempli toutes les dalles. Quel enfer. Oh là là là. En plus, il y a l'autre qui s'est réveillé. Oh non. Oh non. Il faut absolument qu'on aille là en fait. Ou pas. On reste ici. On les attend en fait, un après un, mais ça va être compliqué. Hein. Si je me mets là, est-ce qu'ils se pointent? Les uns après les autres, c'est ça la question. Sauf que toi, t'as trop de vie en fait, donc on va t'attendre. Hein. Je suis désolé, mais on va devoir attendre. Hein. Parce qu'ils vont, ils vont forcément s'entasser, donc on va forcément attendre ici. Mettons-nous en place d'attente. Hop. Voilà. Il faut que, faudrait que je déplace les gens en fait là-haut. On va faire ça. Ça fait un peu beaucoup, Tomatoulous, mais là c'est compliqué. Je sais pas comment on va se débrouiller parce qu'on est... En fait, ça aurait été bien si on avait des volants, mais j'en ai pris aucun. J'aime pas du tout Behemoth en jeu. Et là, en fait, il faut juste se croiser les doigts sur la personne qu'ils attaquent en premier. Et que le gobelin à 12, là, il se pointe. Parce que si on, s'il se pointe pas, c'est compliqué. Quel enfer. Ça spawn tout le temps. Alors, voyons voir. Ils se sont déplacés ou pas? Non. Nous, on va pas bouger d'ici. Hein. Là, est-ce que tu attaques quelque part d'intéressant? Non, pas du tout. Ici, nous, on a besoin de toi, là. Et toi, par contre, tu peux bloquer l'arrivée. Hein, ça serait bien. Hein. Ici, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est pointé? Oui. Pas encore à notre visibilité, mais dans pas longtemps. C'est un peu beaucoup. En fait, j'aurais cassé le satellite, ça aurait despawn tout le monde, mais... Enfin, ça aurait pas despawn, ils auraient pas spawn du tout. Mais là, c'est un peu... un peu bourrin, quand même. Ah, les petits pas. Les petits pas plaisants.
Ça m'inquiète moins, ce derrière, en fait. Parce qu'il y a moyen de le faire. Ah, une ligne. Est-ce que je peux taper? Oh, je peux travailler. Ah ouais, non, mais je tape du coup là. Ah ouais, quel enfer. Ah non. Ah, je peux même pas te taper là. Quel enfer. Faut que je recule. Je vais rester là. Parce que là, si je tape, je m'ouvre un passage, quoi. C'est... Oh là là là. Bon, comment ça se passe de l'autre côté? Est-ce qu'il y a des lignes faisables? Oh là 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 là, non. Bien entendu, non. Ah là là. Ça devient compliqué. Je vais juste aller aux toilettes en plus. Pardon. Ok, I'm here. Bon, j'imagine qu'ils n'ont pas beaucoup avancé, à part ceux de derrière. Hein. Ce sera mieux que je m'en débarrasse tout de suite, non? En fait, il y avait personne qui avait perdu de vie, ça. Vous venez comme vous voulez, hein. Moi, je suis là, hein. Je vous attends. Peut-être que je le déplace ici, ça pourra me permettre d'attaquer des gens. Un peu de nettoyage avant. Le 12, il veut pas bouger. Hein. Non, parce que là, ça peut être infini, en fait. Ça sert à rien de faire ça. Je comprends pas, faut avancer. Est-ce que j'ouvre ici, là, par hasard? En plus, il y a 9 de satellites. Oh, non. Il y a rien qui va... Oui, ça sert à rien quand c'est comme ça. Écoutez, on va y casser ici. On va essayer d'avancer par là. Sauf que le truc, c'est que si j'avance ici, c'est sûr que... En tout cas, il faut que je regère ma défense, là. Donc là, normalement, je devrais être là.
Parce que lui, il va se pointer. Peut-être ici. Tout le monde peut être touché. Si je reste là, en vrai, ça peut se faire. Hein. Je vais attendre un tour, juste. Parce que je sors un succulent pour pouvoir bloquer un chemin, peut-être. Le succulent, il fait quoi? Il fait 2 d'attaque. Ils ont combien, eux? 2. D'attaque aussi. Et il a 2 de vie, donc il va mourir. Faudrait que je me déplace dans une forêt directement pour pouvoir être safe. Non, mais c'est un coup à mourir vite, ça. Non, ça sert à rien. Par contre, si je le déplace là, je pourrais le taper et ça fera x3, 2, 4, 7. 7, ça fait 3 et 5 de toucher. C'est trop peu. Trop peu. On va attendre. Soyons patients, ça devrait aller. Ah, j'aurais peut-être dû y aller maintenant. Ah non, 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 j'ai bien fait. Parce que sinon, aurait pu me taper là, le paume. C'est bon? Même pas mal. Faut pas que j'oublie de le régénérer lui, à chaque fois. Il se prend des coups. Pour l'instant, on n'est pas dans une situation délicate, on est dans une situation de défense. C'est un peu le problème. Oui. Ah, je peux me déplacer et taper direct. Hein, voilà. Déjà, restaurant. Monsieur. Voilà, c'est très bien. Je peux faire une strat émergente, c'est-à-dire d'aller tout droit. Et voir si on peut aller jusqu'ici sans avoir trop de problèmes. Mais il faut quelqu'un qui puisse se placer. Après, que je ferais pas juste ça pour voir ce qui se passe en fait. Je l'attaque lui. Je peux y aller là au corps à corps pour pouvoir le taper, mais après ça va être compliqué. Par contre, si je le place lui, il pourra taper à chaque fois 5, mais il faudra de la vie. Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est le mieux pour pouvoir se débarrasser de quoi que ce soit. Et toi, tu pourras nous protéger. Tu pourras viser ici, mais tu pourras pas viser ailleurs. Donc si je me mets là... 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 1, 2, 3... C'est ça, 1, 2, 3... Donc là, il pourrait toucher s'il se place là, notre bon bonheur. Ah, j'ai pas assez, attends. On va bloquer ici. On va bloquer ici, on va y croire. On va avancer notre bamboomer ici. Qui potentiellement pourra le taper lui. Parce que c'est notre plus grand flip en fait en vrai. Et là je peux attaquer, mais je n'ai pas de thune à claquer. Ils se bloquent eux-mêmes en vrai. C'est vrai que c'est pas. Aïe aïe aïe. Je me demandais s'ils allaient taper de ce côté-là. Aïe 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 aïe. Il faut qu'on ramène le deuxième cactus. Parce que là, on va spawn juste à côté donc. Ah là 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 là. Là, il y a un cactus ici et c'est fait. On a bloqué le chemin. Ouais, il faut qu'on ramène le deuxième cactus. Alors, le bamboomer déjà, tu peux taper lui là. Merci. Vera qui nous donne de la vie, ça c'est magnifique quand même. Hein. On peut se déplacer, super. Move unit, ok. T'as déjà de la vie, c'est bon. Allez, avance. On a besoin de toi en bas.
Voilà, est-ce que tu peux traverser? Ça va être compliqué de traverser par contre. On pourra le faire reculer en ayant de la vie au fur et à mesure. Là, c'est bien parti, mais je pense qu'il va se réveiller. Alors, j'explique aussi pourquoi je ne mets pas mon cactus juste avant. Parce que je pourrais taper plus. Et en fait, le truc, c'est le cactus, il tape sur les quatre côtés. Et là, il faut pas. Faut que je me réserve pour éviter de taper les bonhommes de neige qui nous aident bien en vrai. Il a récupéré son armure, ok. Est-ce que vous avez remarqué qu'on n'utilise pas les armures hein? Depuis le début, on n'en a pas eu. Hein. Je sais pas pourquoi. Il veut pas qu'on joue armure. Alors il nous faut absolument taper ça. Et que Vera... Oh, on a une attaque de ligne. Très bien. Comme ça, c'est fait. On va le taper jusqu'au bout. Là, il faut que tu tapes toi aussi. Pour l'instant, c'est bon. On va activer ça. Voilà. Est-ce que je peux retourner une unité? Non. Puisqu'on n'a pas d'unité à l'extérieur pour l'instant. Le seul problème, c'est qu'on va devoir se protéger notre bomb boomer dans pas longtemps. Pour l'instant, on est pas mal. Peut-être remettre notre verre ici. C'est activé, au moins c'est fait. Je sais même pas comment on va faire pour avancer. C'est incroyable. Peut-être un petit succulent. Non mais les succulents ils sont pas assez forts. What is the problème? Est-ce qu'on s'est laissé submerger? Peut-être, peut-être, peut-être. En fait, j'avance d'onde, je peux attaquer encore une fois. Et ça me permettra de nettoyer un peu. Il faudrait juste que je me place ici, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un derrière moi pour bloquer. Parce que pour l'instant, notre fantôme, il sert à rien. On va y aller. Voilà. On n'a pas d'unité pour l'instant. Si j'avance ici... Je me fais taper de 4. C'est ça? 4 par tour. Ce qui veut dire que je suis à 5. En 2 tours, je peux mourir. What is the problem? Je n'ai pas d'armure et on n'en a pas eu depuis le début dans mon deck. Je ne comprends pas pourquoi. Où est mes armures? Je ne sais pas. Peut-être que je ne les ai pas rajoutées. Et j'ai été bête dans ce cas-là. Parce que si je commence à creuser, là il y en aura deux, ils vont devoir se déplacer, mais il y en a un qui va forcément me taper au moins un, voire deux, à chaque fois, avant que j'arrive ici et que je puisse me protéger. Mais en fait, il faut mettre le bamboomer ici, donc il faut un deuxième bamboomer. C'est chose qu'on n'a pas, je crois. Et eux, ils vont se pointer pour taper mon bamboomer, bien entendu.
Donc on va les taper. Ah, j'ai pas tapé ici, c'est vrai. It's true. It's true. J'ai tapé lui, mais pas. Ah, j'ai oublié. Je commence à perdre des vies gratuitement là. Oh non. Vera, fais le travail. La baguette magique, tout ça. La... Vera, s'il te plaît. Donne-nous de la vie. Quel enfer. Vera. Merci. On va baisser Vera d'abord, on va faire ça. Ok, le plus gros problème est parti. Maintenant, je pourrais m'avancer. Et attaquer tout de suite. Je vais faire ça. Hein. Je vais me mettre là. Qu'est-ce qu'il a pris? Je vais me mettre là en fait. Voilà. En fait, je veux juste qu'il y ait une sorte de petit décalage entre les deux. Histoire que... histoire que je puisse... Ah ouais, non, c'est vrai qu'il y a toujours l'histoire de la boule de neige là derrière. Oh là là. Il faudrait que j'avance ici. Et j'aurai assez pour le taper. Ok, super. On va faire ça. Comme ça, ce sera nettoyé. Est-ce que je peux déplacer vers un juste en bas? Merci. Des gens à spawner, s'il vous plaît? Ou pas? Des cartes? Quelque chose? Faut que je fasse descendre mon boomer aussi. Il peut toucher là. Ouais. Bon, ça c'est fait. Et on n'a pas cassé la boule de neige. Donc ça c'est bien. Il avance pas mal. Mais là il faut qu'on se sorte de ça. On va prendre un succulent en tête. Hein. Une personne en plus, histoire de gérer notre fuite. Parce que là, il pourra pas me tuer, du coup. Hop, ici, on est bien. Bon, on tente. On tente une percée ici. Je pense que c'était nécessaire de lui donner la vie. Je pense qu'en haut ça devrait aller. C'était sûr qu'il allait taper le succulent. Après il y a Bamboomer et Vera derrière, donc c'est bon.
On va pouvoir tous descendre là, je pense. Histoire de se créer une brèche. Faut juste que notre coctus il tienne bien là. Et non, c'est bon. La vie est revenue. Move unit. Oh, il y a une attaque de ligne. Super. On va faire ça. Hein. Là, je peux le déplacer. Je peux le mettre là. Lui, il s'occupe de lui. Moi, je m'occupe de lui. Est-ce que je pourrais le déplacer après? Ça fait 1. Ouais, normalement, c'est bon. Hein. Sauf qu'il va se réveiller, bien entendu. Mais si je me mets là? Si je me mets là, il y a du people. Mais je pourrais taper. Bon, vas-y, on tente. On tente, on y va. On fait ça, comme ça. J'aurais peut-être dû le faire avec de la vie, ça aurait été peut-être pas mal. Je vais le protéger pour qu'il prenne que 2. Voilà. Là, je pourrais le faire le déplacer encore un peu, mais... J'avais oublié que je pouvais taper 2 fois, là. Parce que je l'ai utilisé en attaque. Bah voilà. Bah voilà, un volant. C'est Birdseye. Ah non, Birdseye, c'est à distance. Je crois que j'avais bien aimé comment il jouait, Birdseye. Mais c'est bizarre, pourquoi mon deck, il a pas les armures? Waouh. Je n'y crois pas. Comment tu as réussi à te débrouiller à déminer les chimérites? Non, combien de chimérites ne sont pas minées? Même à l'entrée de la caverne. Il n'est pas étonnant que les gobelins des glaces viennent prendre cette mine. Les gobelins, vite! Il y a quelqu'un, il y a un intrus dans le secteur 2. C'est Frosty Flunky. Bon, il a l'air d'avoir d'être tombé de la colline et il est resté bloqué. On doit se débarrasser de cet intrus avec la force. Peut-être. Qui tu penses que... Tu penses qu'il parle de qui? On doit le suivre et voir. Peut-être que l'intrus essaye de stopper les gobelins aussi. Tu sais ce qu'il dit? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ce n'est vraiment pas ça. Ah oui, moi je l'ai bien dit du coup. Mais je suis d'accord. Suivons-le. Ça ne peut pas faire de mal de savoir ce qui se passe. Défendre Bernard. Oh non, c'est encore Bernard. Oh là là. Il faut que je garde Bernard au maximum de sa vie. Alors, voyons voir notre deck d'abord, parce que j'ai pas compris pourquoi on n'avait pas nos armures. Mais c'est parce que je les ai pas rajoutées, mais si. Ah, du coup, c'est passé une fois et après, c'est Nick. Ah oui, c'est parce que je les ai utilisés, du coup, avec Fantôme. Ah. Est-ce qu'on prendrait pas quelqu'un qui vole, par contre? Peut-être que les déplacements, c'est un peu trop. Le déplacement, c'est bien, parce que ça me sert, hein, quand même. Birdseye, il rajoute Mock, ici, ce qui permet de attaquer un ennemi en utilisant uniquement l'attaque. Ok. Très bizarre, ok. Mais ça, on va peut-être changer notre succulent. Il vaut 1. Voilà, on va peut-être plus mettre... voilà, on va peut-être mettre Birdseye. Troublemaker, il est pas mal aussi, en vrai. Il a toujours 1 d'armure. Et c'est 2, par contre. C'est cher. On va mettre Birdseye à la place du succulent. Désolé, les succulents, c'est fini pour vous. On met les hooligans dedans. Bon, on a pas mal de vie, on a le Bamboomer qui est toujours actif et toujours efficace. Chucky, c'est vrai qu'il vaut 2. Et Bamboomer aussi. Sauf que lui, il l'attire, je crois. Ouais, c'est ça. C'est pas non plus incroyable. Hein. Est-ce qu'on peut acheter des choses? Est-ce qu'on est blindé en vrai, hein? Non.
Y a un... Ah oui, c'est de l'attaque. Attaque gratuite. On peut viser des gens, ça gagne 1 de speed et 1 d'attaque ce tour. Gagne protection. Protection, ça. Y a plus. Ah oui, d'accord, y a plus de dégâts. Ok. Mais c'est qu'une fois. Attaque un ennemi et ça ajoute strike. Et strike, c'est 0 de gratuit. C'est gratuit, ok. Bon, je pense que c'est bien. On a un bon deck. Un jour, on fera peut-être un autre deck. Mais là, c'est bien. À l'aide! Qu'est-ce que ce son horrible qui est, qui fait de l'écho partout? Oh, Carlton, regarde! S'il vous plaît, aidez-moi! Je suis bloqué, j'ai froid! Bernard, qu'est-ce que tu fais là? Phoebe, Carlton! Oh, je suis trop content de vous voir! Est-ce que vous êtes venu m'aider après que vous m'ayez aidé au village, où il y a eu les monstres horribles, j'ai décidé de prendre... Ah oui, c'est vrai. J'ai décidé de prendre des vacances dans ma zone de confort. Et sortir de ma zone de confort, j'imagine. Et quel meilleur endroit pour prendre une pause que la de la chaleur, plutôt, que les cavernes froides. Vas-y, balade-toi dans les mines. Je me suis dit, ça te fera de l'information et ça te permettra de te relaxer. Mais en vrai, il y avait une grosse machine qui a débarqué. Et ça m'a séparé du reste de du groupe de visite. Maintenant, ils sont tous barrés. Ils se sont tous barrés. Et du coup, il y a des rochers qui n'arrêtent pas de tomber de partout. Et maintenant, je suis bloqué. Alerte intrus. On a localisé l'intrus. Il se cache comme un pleutre derrière la neige. Snowball Sniper. Gobelin. Vous savez quoi faire? On ne doit laisser personne dans ces mines, sans exception. Défoncez-le. Non, rendez-moi! Tiens bon, Bernard, on arrive! Toujours deck, hein. Plante, on gagne. Pour gagner cette bataille. Défend Bernard pendant 12 tours. Et on arrive d'où? On arrive en bas là? On va devoir traverser l'eau. Moyen intéressant. En plus, regardez-moi tous ces gens qui vont spawn là, de l'enfer. Attaque un ennemi. Ouais. Donc on peut aller défoncer des gens si on veut aller faire ça. Je pense que le mieux c'est de se rapprocher de lui en fait. Déjà. On va se mettre là. Hein. Ouais, on va se mettre juste à côté. Je pense que Vera va prendre cher, mais je veux juste voir ce qui se passe de ce côté-là. Parce que c'est possible aussi que eux ils approchent. Oh ouais, non mais faut se débarrasser d'elle en fait. On a plus de forêt en plus. Mais oui, mais non! Je suis tellement pas d'accord. Mais j'ai pas des quadruples en fait. Comment vous dire? Oh là là, on a personne. On a personne. C'est mort. C'est mort. On a personne. Quel mauvais jeu! Oh là 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 là! Oh là là! C'est mort, hein, on est dead là! On aurait dû relancer dès le début! Non mais ça sert à quoi de ramener un cactus maintenant? Sérieusement?
Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Je suis pas content. Mais non! Bah voilà, et on a perdu notre premier objectif. Mais regardez combien ils sont, c'est un 12 tours comme ça. On est qu'au tour 4, quoi. Y'a personne avec nous. On a des bourrins, mais... ce cheval. Va te cacher, Vera. Oh là 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 là, on a dû attendre 4 tours pour pouvoir avoir des personnages, mais c'est dead de ouf. On va recommencer tout de suite, hein. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi? Oh là, c'est fini. C'est fini. En plus, faut absolument avoir le sniper en premier. Voilà. Salut. Salut. C'est honteux. C'est honteux. En plus, je suis même pas sûr qu'on puisse avoir des doubles à part en payant. Quel enfer. Le bon boomer. Je veux que je fasse quoi avec ça? Je peux même pas aller au cac. Ça sert à rien. Comment tu veux que j'arrive là-haut? On va essayer, hein, mais... Aucun sens. Aucun sens. Ah bah oui. Plus rapide, hein, la mort. Bah, logique, hein. Au moins, il vise pas... il vise pas la protection que j'ai Bernard. C'était déjà bien. Par contre, il faut de la vie, hein. Mais regardez-moi ce déplacement de l'enfer. Pourquoi on a du déplacement là? À quoi ça sert? Ah, j'en peux plus. J'aurais pu taper, mais ça sert à rien. Il a 12 de vie et 2 de défense. Oh là là. J'aurais pu taper les snipers en main. Le deck. Le deck a un problème. Alors du coup, il nous faut... on va faire juste vite fait checker le deck, parce que j'y crois pas. Il n'y a pas assez de monstres. Il nous faut quelqu'un dès le début. Alors, le déplacement, oui, on en a besoin. La vie, on en a besoin. Move unit, bon ça, on peut le garder avec la vie, c'est pas de problème. On enlève un. Tout était bien en fait, c'est ça le problème. Qui c'est qu'on rajoute? Et là j'ai utilisé un, donc il faut un. Il faut un de quelqu'un. Faut que j'achète. Qui c'est que je peux acheter en plus? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je peux déplacer. Ah, intéressant. Est-ce que j'achèterais pas un truc de poison? Ça pourrait être intéressant aussi. De l'engrais. 3 HP, 1 de vitesse. À
Ah oui, ça c'est les déplacements avec les gens. Ça va être intéressant si jamais je me retrouve dans un problème avec Vera. Je sais pas si je peux ça peut fonctionner avec Bernard ça. Ça c'est quoi? Deux dommages. Un de charge. Et après je peux avoir du gratuit. Il me faut juste un en fait. Ouais, mais ça c'est un de vie. Nique-moi. Ouais, mais 3 de dommages. Là, je peux avoir des troublemakers, mais ça sert à quoi d'avoir des troublemakers si en fait je dois payer 2. Y a un problème de carte là. J'ai un problème de personnage. Peut-être les kickers. Hein. Les kickers ils se déplaçaient bien quand même. Ça me permet de tirer des cartes, ça sert à rien. Attaque un ennemi, unité, gain 3. D'armure. Je pense qu'il faut un volant en fait. Il y a un moment où il faut un volant. Là, on est obligé d'avoir un volant. Quelqu'un qui vole, quoi. Mais le behemoth, il a pas de vie. C'est ça le problème, c'est qu'il a pas de vie. Il a deux de. Enfin, il prend deux coups, c'est mort. Ça peut être intéressant par contre. On va essayer. Bon, vas-y, on va essayer avec le behemoth parce que c'est le plus gros problème, c'est le déplacement. Mais j'y crois moyen. J'ai enlevé un déplacement pour pouvoir payer deux de behemoth, hein, ce qui est abusé. On a compris. Il faut que je reste appuyé. Ah, merci. C'est quoi? Hold de quoi? Tab? Non mais... On vous a déjà vu votre discussion. Après, faut avoir notre volant maintenant, hein, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? La défense, on a notre behemoth, super. Donc on va enchaîner. On va lui donner de la vie déjà. De la défense, et tu vas partir tout de suite au cac. Ah ouais, non, c'est vrai qu'on a plus de vie, lol. Mais en tout cas, on a un behemoth efficace là maintenant. J'espère qu'il va se déplacer tout de suite en plein milieu parce que si, ça sert à rien si je lui l'ai boosté pour rien.
Oh purée. Bon, là ça commence à se passer. Vous avez vu là tout ce qu'ils nous ont fait perdre sur le BMOT là, c'est un petit délire quand même, j'ai envie de dire. Voilà, merci. Quand tu veux, tu reviens le BMOT, hein. Allez, survie, survie, Teen Spirit. Ah, c'est mort. On a fait 6 tours, oh là là. Plus, j'en étais sûr. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas utilisé ça. Nique-moi. Vera qui va prendre cher, je le sens. Voilà. Oh là 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 là. On a un problème de deck. Je pense qu'on va faire un truc. On va essayer de faire des défis. On a un problème de deck. Le Behemoth était pas mal, mais c'est le seul qu'on peut bourrer, donc c'est pas très intéressant de garder. On va remettre du déplacement, je pense. En fait, il faut des gens qui puissent se déplacer sur la glace, mais tu vois, c'est compliqué, hein, j'ai l'impression. 4 de déplacement pour ça. 3. 4. Je pense qu'il manque des cartes, en fait. Soit ça, soit faut qu'on change de deck. J'ai pas masse de cartes en fait, en vrai.
On va faire un truc, on va essayer de voir les objectifs qu'on peut essayer de faire. Donc le 10, ça c'est mort. Je pense qu'on peut essayer de faire un truc. Essayer de battre voilà, le prochain niveau d'ici, là, les challenges. Gagner de la thune, peut-être des cartes. Histoire de... Pour gagner ce challenge, tu dois débattre toutes les ennemis. Ok, avec Vera. No problème. Lui il va se pointer. Faut rester là. Hein. En soi là c'est bien. Ah mais non mais c'est assez sûr. Mais le problème c'est que c'est après c'est des monstres ou des hooligans donc. Et j'ai pas masse de cartes de monstres et j'ai pas masse de cartes de hooligans. Donc en fait j'ai plus de masse. Enfin j'ai plus de plantes. Donc du coup, c'est un peu le problème, c'est un peu ça. Mais non, mais c'est surtout les déplacements, du coup, sur la glace. Je t'avoue, Tomato Juice, là, c'est complexe, parce que je ne suis pas bien équipé, je crois. Donc on va essayer de s'équiper. Ok, donc ça, on va faire ça après. Là, je les tue tous les deux. On est d'accord. Ah non, lui il reste en vie. Ok. Faut mettre les pneus neige, exactement. Bon bah c'est bien quoi. Ah j'ai des spawns particuliers quand même. Hein. C'est complexe. J'ai pas payback, donc c'est mort. Je connais pas le deck en vrai, on pourrait regarder, hein, mais je suis pas sûr qu'on puisse le voir. Ouais, c'est ça, on n'a pas de deck. Défini. Faut juste bien utiliser ses cartes. Donc, lui on va le taper. On va se protéger là. Le traverser. Un peu à l'aise hein, en bas. Hein. Donc toi t'es. Ah, tu risques de te pointer quand même. Hein. Je me rappelle plus ce qu'on gagne dans les challenges. Je sais pas si c'est de la thune ou des cartes. C'est ça le truc. C'est de la thune, ça nous permettra de payer des cartes, mais ça sera pas suffisant. Là, je regarde juste où les gens vont se déplacer. Alors, je pourrais essayer d'aller là. Hein.
Peut-être s'occuper de celui d'en haut. Si je me mets là, il pourra me taper. Lui, il pourra faire quoi, lui? Ouais, ici, c'est bien. On les attire. Y'a quelqu'un, hein? Toujours pas. Okay. Ah! Là, ça, c'est un problème. Bon, tape-le. Un petit quelqu'un à spawner là, et c'est bon. Hein. Toujours pas. Faut que je rentre dans sa range. Je vais faire ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que soit je vais de l'autre côté, mais là, je peux pas trop. Ça change pas grand-chose. Donc lui, on va attendre. On va faire ça. On avance de ce côté-là. Lui, il est dans l'incapacité de bouger parce qu'il sait que s'il se déplace, je l'ai. Il a rien à faire. Alors, on va pratiquer la fuite. Ou je l'attaque direct. Alors, vas-y, on attaque direct. J'ai 5 points de vie de toute façon. À utiliser. Allons nous protéger. On va forcément devoir reculer en fait si j'avance. Je peux pas avancer d'un coup. On va se passer là. Le problème c'est que je pourrais pas le tuer en un coup, je crois. C'est nécessaire d'être de niveau 4, je crois. On va voir le nombre de ses vies. Oui, il a 3, donc... Ah bah si, je peux le tuer, en fait. Faut juste pas qu'il se mette dans... Vas-y, on va faire ça. En un coup, j'ai dit. En un coup. Ouais. Mais non, mais c'est que de la thune. Pourquoi on me donne de la thune? Donnez-moi des cartes. En plus, c'est pour acheter quoi, du coup? Bon, je vous laisse regarder ça, je vais aller aux toilettes. Dites. Tout de suite.
Hop, hop. Voilà, bonjour, rebonjour. Alors, je me suis dit un truc. Parce que c'est un endroit de réflexion, là, sur les toilettes. Est-ce qu'on ne devait pas claquer, par exemple? Est-ce que le fait de claquer, par exemple, si j'achète ça, peut-être que ça va me servir à quelque chose. Est-ce que ce serait pas bien de tout claquer, en fait? Par exemple, ça coûte zéro à lancer. Ça augmente les... Et on claque tout. Et on voit ce que ça donne. Par exemple, ça, je voulais l'acheter depuis le début. Est-ce que ça rajoute une carte? Bah non. Je claque, hein. J'ai de la thune à revendre. Je prends tout ce qui est en plante. Voilà. De toute façon, on va continuer les challenges, donc... pas de problème. Voir si, déjà, si on finit un niveau de challenge, est-ce qu'on gagne de la carte? Est-ce que j'ai mon deck pour gagner ce challenge? Je dois arriver au but et tenir deux tours. J'ai oublié qu'il était c'est un bois. Alors là, il va falloir s'en sortir sur la ouais, c'est ça, sur la défense des déplacements. Donc on va faire ça. On va le placer bien. Donc 3, 1, 2, 3. Donc là, lui, il pourrait être touché d'ici peu. Ici, c'est bien. Voilà. Et monsieur, vous allez vous déplacer ici. De façon de protéger. Ah, mais il y a des gens qui vont spawner derrière. Quel enfer. Ah oui, direct! Oh! Je pensais que ça va augmenter sa vie au moins, mais même pas. Comment tu veux que je survive à ça? Regardez, ça va arriver là. Et Spituna est succulent. Lui, il faut le tuer déjà. Parce que lui, il est bourrin. Je me rappelle plus de la distance. Ouais, c'est 2. Je peux rien faire. Allez, tiens bon! On meurt, c'est pas grave. Après, le prochain tour va être vénère. Je me demande ce qui va spawner là, parce que ça fait mal. Oh non. Il y en a un qui est empoisonné, mais... par principe. Ah, il est toujours... Ah, depuis que j'ai augmenté, c'est pas mal ça. Alors, du coup, 2. Si j'augmente son attaque, ça fait 3. Ils ont 1 d'attaque, donc je peux survivre. Par contre, il y a le baril qui arrive. Là. On va prendre ça. Hein. Et du coup, lui, si j'augmente, ça fait 5. Du coup, je peux les tuer direct. On va faire ça. Hein. Là, on va faire ça. Hein. Comment ça doit se jouer en groupe solide là, c'est chaud. Hein. C'est chaud de ouf. Hein. Parce qu'on doit se déplacer et garder le truc, quoi. Donc, ça, je suis obligé de la détruire maintenant.
qu'on déplace tout le monde. LOL. Oh, j'ai claqué ça pour rien. C'était pas avec lui que j'aurais dû taper. Donc on se reforme ici en fait. On va voir ce qui se passe. Normalement, ils vont aller tout droit. Il n'y aura personne. Voilà. Oh, ça joue serré. Ok, super. Ça c'est bon. Là ça se passe bien. J'ai eu un peu peur qu'il y ait quelqu'un qui se pointe à côté, mais non. Oh, y a le bon boomer qui arrive, quel enfer. On va devoir le chercher et tout. Oh là là. Parce que le bon boomer il fait quoi? 3, 1, 2, 3. Ah, ça peut le faire si je le mets là. Ça, hein. Attends, il y a 9 unités. Super. Super, super. On va se repositionner de façon à pouvoir accueillir les gens. Donc là, il n'y a que... Ça, c'est marrant, ça. Donc, si je le déplace genre juste ici, il n'y a plus personne qui me fait chier. Ah, ça c'est intéressant. Par contre, ouais. Ils vont foncer sur le cactus, mais il n'y a pas de problème pour le cactus.
Ah bah tiens, tu te réveilles, toi. Aïe. Je me demandais s'il allait se réveiller, mais non. Il s'est réveillé. Je peux le taper en 1. Oh non, pas en 1. Ça, ça va jouer sur ça, en fait. Oui, je peux me débarrasser. Après, capte, direct. 2. Lui, il faut que je le déplace. Mais ça dépendra de son coup. Maintenant, on peut déplacer des gens. Et ça, c'est intéressant. Il y a le succulent qui va arriver. Déjà, on va utiliser de la vie. Parce que je pense qu'on en aura besoin. Donc là, je peux taper. Il reste 1. Je peux réutiliser ça pour pouvoir être sûr. Ah, j'aurais pu le, ouais, j'aurais pu le toucher direct. Je sais pas. Que lui, il aille. Ouais, j'ai utilisé tout. Comme ça, c'est fait. Ouais. Je pensais pouvoir, mais non. C'est Culan qui va survivre. Hein. Faut que je déplace le bon boomer au spituna. Là il gère bien mais... C'est par défaut quoi. Il y a un truc à faire pour aller les chercher mais je sais pas comment on va faire. Là, normalement, il est censé quand même pointer notre succulent, donc on va voir. Les autres ne vont pas forcément bouger. Eux, ils vont forcément bouger pour lui. On va se mettre là. Voilà, donc on va dire qu'on fait on fait front, mais de temps en temps. Intéressant. Oui, je peux pousser. Ah, that's a great question. Ça, c'est, ça nous arrange bien, hein, quand même, si ça. Du coup, là, on pourrait l'avoir. Pour un coup. Sauf que ça va forcément ramener quelqu'un. Ah non. Ah non. Encore mieux. Allez, go! Ah
Ils vont bouger ou pas? Allez, bougez, bougez, bougez. Ah, le plus 10 qui arrive. Donc là, ça va jouer serré. Il faut qu'on recule. Là, ça va jouer sur sa distance de tape. Là, ça va faire mal. Faut qu'on ramène notre bamboomer ici. Voilà, là, c'est bon. Faut qu'on recule tout le monde. De façon à ce qu'on ne puisse pas se faire toucher tout de suite. Voilà. Notre succion il est peut-être mal placé là, c'est cool. Bon, je veux voir comment ça va se passer parce qu'en fait là le truc c'est ça dépend de notre déplacement. Oh là là, j'aurais dû m'en douter. C'est vrai que c'est une distante. Oh là là. Mais elle est dans ma range de bon boomer par contre. Merci. Rasputuna qui est mort, c'est dommage. Il reste un niveau 12. Succulent, c'était sûr, il avait qu'un point de vie de toute façon. Le 5 qui bouge pas, c'est très bien. Le 12-10, ça va être compliqué. Ah ouais, parce qu'en plus, ils arrivent direct. Je peux toucher personne. C'est lui. Au moins que ça sert à quelque chose. Ce que je fais. Petite équipe, mais est-ce qu'on va survivre avec le peu de vie qu'on a? Ouh là là, ça a l'air d'être très compromis ici, ça. Tout le monde est réveillé. Il faut sauvegarder notre chef maintenant. Donc faut qu'on descende. Oh là, je peux pas les toucher.
Ok, on a sauvegardé notre chef. Essayons de sauvegarder notre bon boomer maintenant. Voilà, comme ça au moins c'est nettoyé. Ok, on peut le sauver. Là. Je crois qu'il n'y a que là. Il y avait en haut aussi. Mais là, c'est pas mal. Ouh là là, ça se déplace de beaucoup trop. Je pense que les succulents, ils servent uniquement à bloquer... Tiens, je peux toucher personne, c'est un peu l'enfer. Ça va être elle le pire. Parce qu'elle elle a de l'attaque de à distance quoi. Deux. Faut qu'on aille là-bas. Faut qu'on recule au max. On va bloquer les spawns ici, hein, parce que c'est ça qu'il nous faut. Hein. Il faut qu'on puisse ramener le plus de personnes possible. On a perdu trop de monde. Oh là là. Un cactus? Non. Purée. Le 12 va être tellement vénère à arriver comme ça. Quel enfer. Ah, je peux pas revenir, de toute façon ça sert à rien. Si je dois me déplacer, faut que je sois au-dessus. Voilà. Et je serai la cible. Et il fait combien d'attaques lui?
absolument qu'il y ait quelqu'un après. Parce que là, si je prends coup 3 de ça, là... Après, c'est compliqué. Faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui arrive. C'est chaud. Allez, cactus. Un cactus à 5 là, s'il vous plaît. Oh, le Spituna, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Spituna? C'est ça le truc, c'est ça le problème. C'est qu'on a utilisé toutes nos cartes, c'est ça l'histoire. Ça sert à rien, ça. Le seul truc que je peux faire, c'est essayer d'aller la taper, mais ça sert à rien, parce que j'ai déjà tout claqué, là. Je vais aller l'empoisonner, ni vu ni connu. Venez me taper ici, je suis à côté de vous. Faut que elle puisse au moins se retourner. Ou le 12 là, s'il vous plaît. Oh là là. Quel enfer. C'était bien le début, c'est nul la fin. Mais je veux bien, mais... Ok. Lui, il va forcément nous taper, donc voilà. C'est où que tu veux? Déjà? Déjà? Mais tout ça à cause du baril? Mais non! Et regarde-moi cette vie! Oh, j'en peux plus! Ah, le challenge de l'enfer! En fait, je pense vraiment qu'il faut, vraiment commencer en despawn légendaire, parce que c'est pas possible. Donc là, par exemple, il faudrait que j'utilise à bon escient son attaque pour pouvoir les taper tous les deux. Voilà. Et ensuite, j'essaye de protéger du coup mon capitaine en le cachant quelque part. Je vais le cacher là. Hein. Moi, je veux qu'il y en ait qu'un qui arrive. J'ai mis l'attaque sur... C'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Je vais perdre mon cactus tout de suite. Ouais, c'est une grosse augmentation, Spituna. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a tout qui augmente. Et sa range, elle est toute pourrie encore. Ah, on gagne 1 d'attaque.
C'est intéressant. Il faut l'utiliser. Ok, bon, alors déjà on va faire ça. Hein. Ok, donc maintenant il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que j'augmente qui? Ça, ça peut être comboté, mais d'accord. Je pense que Speed Funa à 5, ça peut être hyper efficace, mais... On va faire ça, hein. On va essayer comme ça. J'y crois moyen, parce qu'en fait, c'est ça qui joue le... C'est ça qui joue le truc, mais... J'ai du mal à comprendre comment on peut traverser. Parce que c'est complexe, hein, avant de traverser, là, sur le coup. Non. Peut-être. Donc là, si je me mets là... En fait, il faut que je fasse du blitz. On dirait. S'il réagit. Il avance pas. Sauf que là maintenant ils sont deux. Lui il va forcément avancer. Lui aussi. Donc le mieux ce serait de l'attendre. Ici. Ou... On fait ça. Ça nous permet d'avancer un peu plus. Et donc dans ce cas-là, si je me mets là, genre là, on peut être, ça peut être efficace. Voilà. Là, il faudrait faudrait l'approcher lui. Sans l'approcher elle. Faudrait se mettre là quelque part. Là, si je me mets là, en fait, forcément il va venir. Est-ce que j'ai tapé avec ça? Non. Ok, on va faire ça. Alors voyons voir ce que ça donne, hein, parce que j'y crois pas trop. On va défendre. Ok.
Maintenant, ça va être elle qu'il faut attirer. Tout en se débarrassant de lui. Sauf que là, ils sont deux. Ça, c'est le problème. Un peu de vie pour notre camarade capitaine, s'il vous plaît. Parce que je pourrais me mettre là, mais le problème, c'est que j'ai pas assez de vie. Là, à chaque fois, là où il se pose, je l'ai avec. Et toi, je peux te tirer, en fait, dessus. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Pardon. Donc maintenant, autre problème. On va s'approcher. On va s'approcher doucement. Lui, il est en bonne défense, là, moi, je trouve. Ça fait ça, ça. Donc là, on est obligé, on tape quelqu'un. Faut juste pas qu'il se mette ici. Là, si moi je me mets là. Il va forcément se mettre ici. Oula. Du coup, il faudrait que Spituna soit là. Voyons voir. Ok, parfait. Spituna qui normalement pourrait taper deux fois. Il n'y a pas de problème si tu ne peux pas taper deux fois. Ok. Alors maintenant, comment on va l'attraper, elle? Comment l'approcher déjà? Est-ce que si je fais un aller-retour comme ça, est-ce que ça compte? Je sais pas. On a tellement pas de vie, c'est un peu l'enfer. Hein. Non, ça a pas compté. Ok. Donc on recommence. Faudrait que je me pose et que du coup je prenne un coup. Ce qui est pas cool. Je peux pas tracer jusqu'à là-bas, on est d'accord. Hein. Non. Alors si je pars ici, et là je pourrais tracer jusqu'ici. Sauf qu'il faudrait que je tienne deux tours pour pouvoir la taper. Et j'aurais pas assez. Vu que c'est notre ami qui a 5. Et il n'a pas de vie. En plus, il y a l'autre. En fait, il nous impose d'aller ici presque. Hein. Donc, en fait, il faut que je protège ça. Donc, du coup, il faudrait que je mette notre cracheur hein, ici. Et bon boomer là. Déjà, bon boomer, je pourrais le mettre ici pour pouvoir taper lui. Ça me ferait. Est-ce que mon boomer il peut tuer en un coup? Non, pas du tout. Par contre, je peux le faire maintenant. Je pourrais m'enfuir? Oui. Bah non. Apparemment, non. Oh là là. Parce que là, le bon boomer, je le mets ici, c'est bon. Je l'ai lui. Obligatoire. Lui, il va être chiant. Parce qu'il faudrait pas que j'attende. Non, parce qu'ils arrivent juste après, en fait. Ça change rien. Sur le principe, ça change rien. Comment je pourrais les attirer sans me faire mon bombo clat direct? En plus, elle a 3 d'attaque. Hein. Je vais prendre cher, forcément.
Y a que Spelunky pour pouvoir prendre ses coups. Bon, on va essayer, hein. Si je me mets là, je suis dans sa range, mais elle pourra pas me taper tout de suite. Enfin, si, elle pourra me taper en bas. Faut juste qu'elle vienne. Elle. J'ai du mal à saisir comment je vais faire. Du coup, je vais faire ça. Et on va voir ce qui se passe. Hein. Voir s'il vient, déjà. Ouais, il vient. Ok. Ok, lac. Alors, du coup, on va se replacer pour le prochain tour, déjà. Normalement, au prochain tour, il meurt. Ça va être à eux encore. Normalement, je devrais ne pas bouger et ça devrait marcher. Ça joue tendu, hein. Je suis désolé. Allez, maintenant, il faut qu'on aille à chercher elle. Qui peut finir 1 en 4 à part notre cher ami Bomb Boomer. Donc du coup, ils vont se pointer là et là. Là, il faudrait que je me sois positionné ici pour pouvoir l'avoir direct ici. Ça fait 1, 2, 3. Donc oui, si je me mets là, 1, 2, 3, je peux l'avoir dès le début. 1, 2, 3, ici. Ici. Il faut que je sois là. Ok. Donc là, il faut que je me débarrasse de lui. Et elle. Donc, pour la tirer. Que je me mette là. Je vais pouvoir prendre son coup. Alors, on va voir comment ça se déroule. LOL! J'aurais dû attendre. Oh mon dieu, il y a tout le monde qui se pointe en même temps. Oh là 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 là. Ils ont percé ma défense, comme on dit. Je m'enfuis maintenant. Je me barre. Vous ne nous aurez pas. Est-ce qu'on se reformerait pas quelque part? Parce que c'est un peu l'histoire. Hein. Elle va forcément venir. Ça, c'est déjà bien. Les autres vont forcément venir aussi. Oh là là. Quel enfer. J'aurais peut-être dû attaquer deux fois avant de partir, mais... C'est pas grave. Là, on est en dehors de ces attaques déjà. Il va forcément se planter là. Bon, Boomer, il a été très bien ici. Oh là là. C'était. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je sais même pas si on va y arriver, hein.
On va se mettre là, en espérant pas se prendre trop de coups. Heureusement qu'il y a de la défense. Oh là là, tout le monde bouge. Oh là 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 là. La vie, s'il vous plaît. Faut tellement pas se foirer. On se barre. On se barre. Faut prévoir la suite. Ici. Nous, on va juste aller en dessous. Ici. Ouais, faut prévoir la suite. Là, va falloir jouer sur ça. Qu'est-ce qu'on repousse, qu'est-ce qu'on repousse pas. Parce que eux, ils vont descendre. Toi, tu vas descendre là, c'est sûr. Faut absolument que je sois là, en face de toi, pour pouvoir te récupérer. Tu vas me taper avec un d'attaque. Donc, je peux garder comme ça. Je veux juste que toi, tu sois là. Lui, on peut s'en occuper. Donc, ensuite. Elle. Elle a encore de la marge. Toi, ça va être compliqué. Toi, ça va être très très compliqué. Oh là là. On a perdu normalement dans 3 tours. À part si on fait une on trace, mais je crois tellement pas. En fait, faut juste croiser les doigts qu'on ait une opportunité d'utiliser en un seul tour notre attaquant de 5 là. Parce que depuis le début, en fait, on peut pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas de vie. Oh non, mais là, pas maintenant. S'il vous plaît. Ah, c'est pas le moment. Non, mais tout va se jouer maintenant, donc du coup, pourquoi maintenant? Faut qu'on recule. Le pire c'est elle. Le pire c'est elle. Lui va pouvoir avancer jusque là. Donc en fait il faudrait que je me mette là. Et là on a plus de défense après. Ça va être eux qui vont me faire chier là. Sur le prochain tour, ça va être ça. Et elle. Lui encore, c'est mort. Du coup, comment on va faire? Parce qu'en fait, elle va forcément se planter là. Elle pourra pas avancer plus. Donc ça, c'est pas un problème. C'est par contre, voilà. C'est un peu le problème, c'est que eux, ils seront juste avant. Et toi, tu seras là aussi. Donc, il faut compter un peu sur le poison. Nous, il faut qu'on soit placé à peu près dans cette ligne-là. Juste ici, ça serait bien pour quelqu'un qui puisse taper ici. Donc le bon boomer, en fait, ce serait bien qu'il soit là. Ou là. Ou ici, plutôt. Donc on va faire ça. On va essayer déjà de placer ce pituna ici. Voilà. Bon boomer là. Il nous en reste deux. Donc je peux faire
un petit crochet par là et me placer. Alors est-ce que le mieux ce serait quoi? Le mieux ce serait là en fait. Non même pas. Même pas. J'ai mal joué. Je vais prendre un coup de 3 dans la gueule. Le cactus est mort. Oh là là. J'ai regardé 15 fois en plus. Comment j'ai pu oublier cette case? Oh là 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 là. Oh mais il s'est occupé de Spituna à la place. Je n'ai pas compris pourquoi tu as marché sur du rouge. Ah oui, parce que c'était encore caché par moi, parce que j'étais devant. C'est ça l'histoire? Oh, je me hais. Un petit peu quand même. Je pense que c'est dead. Hein. C'est dead. Alors si je bouge quelqu'un. On essaie de sauvegarder, hein. Un petit peu. Garde un peu de la vie. Ah, ça y est. Ils prennent en chasse le capitaine. Ok. Un Spituna, ni vu ni connu, s'il vous plaît, pour qu'on retrouve notre... s'il vous plaît. Merci. Déjà le... Il y a 3 de vie sur 7, quel enfer. Moi j'aimerais bien taper L deux fois. Je peux potentiellement. Et après me mettre en protection quelque part. Et essayer de tuer lui. Ce serait bien d'avoir le temps de faire ça. Sinon, il faudrait juste que je me mette là. Donc, on peut faire ça, hein. On peut essayer de faire ça. Essayer de faire un petit rappel de ce qu'on peut faire. Donc, elle va forcément se mettre ici, et elle pourra nous taper là. Sauf que, j'ai pas assez de vie. Je pourrais l'empoisonner, mais pas tout de suite, parce qu'en fait, le truc, c'est que ça sert à rien. Par contre, je pourrais le tuer lui. Et lui, il est un peu chiant, hein, actuellement. Eux, ça devrait aller pour le tour prochain. Elle, juste une... trop chiante. Trop chiante. Si je pouvais la faire reculer, je la ferais. Mais le problème, c'est que... En fait, ça me demande de bouger. Deux fois. Chose que je ne pourrais pas faire après. Donc, on va bouger. Par là. Et évitez de perdre qui que ce soit, s'il vous plaît. Merci.
Ok. Je peux avoir lui, mais pas l'autre. Il a 5, c'est ça? Ok. Je peux que déplacer les gens. Ça va être que ça. Ah, ça serait intéressant que je puisse traverser, mais je pense pas que je puisse traverser avec aussi peu de vie. Parce que, à mon avis, j'arriverai ici, quelque part là, au max. Donc, faut aller au cac, hein, je pense. Là, il n'y a pas trop le choix. Je sais que ça va spawner derrière, mais... faut absolument qu'on en finisse avec elle. Elle a 3. Il faut juste qu'elle soit... Il faut juste que je sois juste en dessous. Ok, ça c'est bon. Maintenant, si on peut juste essayer de faire un truc et de bloquer au moins un truc, ça serait cool. Ok. Croisons les doigts. Ça joue dangereux. Il nous faut beaucoup de mouvement aussi, hein, pour pouvoir y arriver. Et 2 attaques, au minimum. La Spituna qui arrive, oh là là. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut le taper. Et ouais. Et il mourra pas tout de suite. Mais il peut mourir d'un coup. Il n'y aura pas moyen de faire autrement de toute façon. Là. On peut sortir de ça. On peut sortir de ça. Il faut juste s'occuper de lui. Ok. Alors on va faire ça. Là, c'est pas logique, ils vont pouvoir s'arrêter là. Ok. Ok. C'était pas le moment. Le cactus est mort. Il n'y a qu'un point de vie. Ah non, mais il est mort. Il est mort. J'ai rien dit. J'ai essayé, j'ai cru, mais non. Et tu veux pas revenir tout de suite, le cactus? Non? Ok. Le temps qu'il arrive, on avance. Tranquillement, mais on avance.
va y arriver. On avance, mais on y arrive. On gratte un peu. Le cactus qui revient. Super. Super, super. De la vie. Ok, maintenant, faut qu'on se débarrasse de lui. Il va mourir au prochain tour. Et on va prendre de la marge. Donc l'idée là maintenant c'est juste de traverser et de tenir deux tours là-haut. Mais je pense que ça va être le cactus qui va y aller parce que c'est. Il fait du 4, il fait du 3-3. Et il faut qu'on soit juste équipé de quelqu'un pour pouvoir taper en. Normalement ça devrait être bon. Là par exemple si je m'occupe de ça tout de suite c'est bien. Ok, c'est bon. Je pense qu'on a gagné d'avance. Je pense. Parce qu'il faut comprendre aussi que je suis équipé de deux personnages qui vont pouvoir bloquer les spawns aussi. Ça a pris énormément de temps, mais on y est. Faut juste que je fasse pas de bêtises. Mais normalement, ça devrait être bon. Normalement, c'est bon. Bah, toi, tu meurs pas au prochain tour, toi, par contre. Ça, c'est un peu chiant. Mais tu peux mourir maintenant. Je l'aurais pas trop. Dans tous les cas, je l'aurais pas avec Spituna. Hein. C'est pas grave. J'ai dû faire 15 millions de bêtises dans les autres trucs. Alors que c'est juste du gain de terrain. Chose que j'apprécie comme jeu quand même. Faire une traversée jusqu'à là-bas. Ouais. Un, deux. Spituna, ça va être chaud, mais par contre, on peut placer Spituna ici. On y arrive, on y arrive. Voilà, c'est fait. C'est fait. Ouais, c'est intérêt, on a intérêt à gagner quelque chose. Hein. Une carte, quelque chose, hein, parce que là... Fini.
Oh non! C'est juste ça qu'on a gagné de la thune! Un peu d'ail. Je vais regarder s'il y a des nouvelles cartes parce que on a acheté tellement de trucs nuls. Bon. Achetons des trucs nuls. C'était quoi notre problème déjà? Ah oui, c'était la vitesse de déplacement. Et le fait qu'on n'est pas assez bourrin. Bah tiens, y a le même genre. On va faire ça et après on va s'arrêter. Il y a le même genre de toute façon, donc on va voir si on y arrive. Ah mais c'est le même niveau que la dernière fois. Bon ça celui-là il était pas très compliqué. To win the challenge. Faut défendre Bernard. Ah il y a que des gens qui nous attrapent. D'accord, c'est sympa. Il y a que des cactus. Ok, super. Moi je veux bien. Donc là par exemple si je m'approche. Faudrait que je m'approche là. Ah oui c'est vrai qu'ils peuvent traverser le... Je sais pas s'ils traversent. Ah oui c'est ça nous brûle. On va peut-être traverser là, au final. Et du coup, qui irait direct? Toi. Donc lui, on peut le détourner directement parce qu'on se met en là. On sera deux. Il va forcément me brûler sur le champ. Il va me mettre ici, après il va m'attraper. Et me mettre là. Ok. Mais j'ai pas d'attaque à distance, donc voilà. On va prendre de la vie déjà, ça peut être pas mal. On va se mettre là. On peut traverser, hein, je rappelle. Le seul truc, c'est qu'on claque de la vie. Donc là, je pourrais aller jusque là. Mais je vais faire ça, en fait. Ah oui, d'accord. Ah mais c'était notre 3. Ouais, c'est pour ça qu'il était à 9. Ok. Je comprends mieux. Donc ça se passe pas dès le début, hein. Donc peut-être qu'on va passer par là. Hein. Ah, je peux upgrade. Merci! Ah, merci! Et donc du coup j'ai compris en fait c'est que ça c'est tu gères tes dommages.
Là, faudrait que je sois là. Salut Raving Bell, j'ai une impression de déjà vu, t'as recommencé le jeu? Non, je suis en train de faire des challenges parce que j'ai pas assez de mouvements et de combattants qui se déplacent vite. Donc je fais des challenges pour voir. J'espère que c'était bien ton game d'histoire. Ouais. J'ai tenté. J'ai plus de voix, mais c'était chouette. Ouais, t'as fait la VO, donc c'est normal. Enfin, la VF, plutôt. Il y en a un qui doit mourir, là. Hein. Toi, tu meurs au prochain tour. Je veux pas vous voir, en fait. Taper les gens, comme ça. Bon, normalement, vous mourrez au prochain tour. Donc maintenant, il va falloir se jouer sur autre chose. Faut que je tape tout le monde. Non, faut que je défends Bernard. Il me reste encore 2 tours, donc normalement, c'est fini. Peut-être te placer juste ici, histoire 2. Bah non, en fait. Je m'en fous. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Allez mourir. Il était pas mort, toi. Ah, il est plus empoisonné. Ah, tout d'un coup, c'est fini. Ah, je suis pas d'accord. Hein. Tout de suite. C'est pas possible. Bon, du coup, je vais passer là. Hein. Ok, ça va spawn là-haut. Oh, remarque, il me reste un tour à tenir. Allez. On fait ça. On attend là. En fait, j'ai l'impression qu'il manque des trucs dans mon deck. C'est ça mon problème. Bah, j'ai revu. Ah, c'est toi qui t'es pointé. Mais Bernard est sauf, hein, je vous le dis. Je te montre après le deck. De toute façon, là, c'est fini là. On a gagné. Voilà. Je paye, hein, mais c'est gratuit. C'est la win. On gagne de la thune, mais c'est grave. Enfin, en fait, c'est nul parce que c'est on gagne de la thune, on gagne pas des cartes dans ce niveau. Donc moi j'étais bloqué ici, parce qu'il faut défendre Bernard 12 fois. Sauf que Bernard il est au milieu de la map, et que c'est un terrain de glace, et mes déplacements sont nuls. J'ai acheté plein de trucs, j'ai 3 decks maintenant, hein. Je sais pas si tu savais que j'ai 3 decks. J'ai le deck monstre qui me permet d'avoir gagné de l'attaque après avoir perdu de la vie, c'est pas très cool. Et après il y a Cycle Brush, Bull Rush qui permet de faire déplacer une unité de 2 de plus, ce qui pourrait être pas mal en vrai. Voilà. Sinon j'ai aussi débloqué le Hooligan deck, que je n'ai, comme tu vois, je n'ai pas assez de cartes Hooligan pour pouvoir rajouter. En vrai je pourrais rajouter ça et rajouter tous les monstres que je veux. Notre commandant il permet de faire, à chaque fois que Sparko attaque, faut déplacer sa... enfin faut swap, donc échanger sa vitesse par son attaque. Voilà, voilà. Et dans mon deck plante, avec toujours Vera en tant que restauratrice, j'ai rajouté d'autres personnes pour pouvoir me déplacer et de l'armure. J'avais ramené masse de vie la dernière fois, peut-être même maintenant trop. Le problème, c'est que j'ai pas assez de monstres qui se déplacent. Et ça, c'est un autre problème. Là, j'ai 2 bamboomers. Enfin, j'ai un bamboomer
deux cactus. Et après, j'ai les monstres qui sont là. Hein. Donc, Bird's Eye, Teen Spirit. Normalement, c'est suffisant. Sauf que j'ai essayé avec Behemoth. Mais Behemoth, il a que un point de vie. Et il a un de défense. Sauf que c'est des personnes qui tapent à 5. Je me suis débarrassé des succulents, mais en vrai, peut-être qu'il faudrait les récupérer. Et en fait, je suis en train de chercher comment aller plus vite au CAC. Et je crois que j'avais trouvé peut-être une carte. Faudrait acheter une carte, ou tu vois, je sais pas. Mais en fait, faut que je puisse... En fait, c'est que du CAC. Donc l'idée, c'est... Bon, Boomer, par exemple, il est un peu de trop, même s'il se débarrasse en 1. Voilà. Donc en vrai, peut-être faudrait que je réécode quelque chose. Donc là, je me suis dit, j'achète tout. Voilà, à chaque fois que je débloque quelque chose, j'achète. Parce que le problème, c'est que s'il faut changer de deck spécifiquement pour ce passage-là, c'est compliqué, quoi. Voilà. Tu veux que je te montre? Du coup, pour faire du cac, il faut que je puisse avoir les bamboomers, les cactus, le bamboomer, de la vie pour pouvoir mâcher. Payback, ouais, c'est nécessaire. Restaurer de la vie, pourquoi pas. Est-ce que je peux augmenter? Ça me permet d'augmenter deux. Ah oui, j'ai acheté des trucs que je n'ai pas encore utilisés. Je perds 2 points de vie et j'ai poison, ça peut être intéressant. Parce qu'en vrai, il y a un sniper et j'ai pas envie de courir après. Ça me permet de swap avec quelqu'un. Et ça, avec Vera, ça peut être cool. Parce que Vera, elle commence et c'est déjà chaud pour elle. 2 Spituna, bah du coup, j'ai réussi à bien utiliser Spituna parce qu'en augmentant Spituna, tu te retrouves avec 5 de vie. Ce qui en soit pas mal, mais en fait, ça augmente de 3 d'attaque et 2 et 1 de 4 de déplacement. Ce qui est intéressant aussi. Mais on pourrait essayer aussi avec Chucky. Voir si Chucky peut nous aider. Parce que Chucky, il a quand même 6 de vie. Hein, donc voilà. C'est juste qu'il est chiant en déplacement. Il a 3 de déplacement, remarque. On va checker. Et je te montre du coup la difficulté. Mais moi, je pensais m'arrêter là. Pour aujourd'hui. J'ai fait 1 heure de plus. Voilà. Tape je sais pas quoi pour pouvoir passer ça. Je m'en rappelle plus. On tente, hein, mais j'y crois moyen. En vrai. Parce qu'ils sont tellement... voilà, tu vois, genre... En fait, ils vont foncer dessus, quoi. Faut que j'arrête... monsieur... vous. Ça serait bien. Je vais attendre là, mais le problème c'est que il y a les deux là, ils vont bomboclat Bernard. Ah oui, j'ai pas précisé, il y a énormément de spawn maintenant. C'est ça la difficulté aussi. Ah, notre cactus chéri. On va lui mettre payback direct. Hein. Attends, d'abord, on va faire le déplacement nécessaire à sa bonne vie. Nick! Bon, bah, du coup, ça va être payback pour Vera. Ouais, mettre que 3. Oh, le déplacement du cactus, c'est vraiment l'enfer, quoi.
Teen Spirit. Oui, c'est un coup à mourir. C'est un coup à mourir. Allez, on recommence. En fait, Vera, c'est bien, mais il faut vraiment qu'elle soit bourrine pour pouvoir bien faire. Donc, c'est compliqué, quoi. Mais deux de déplacement, wesh. Gagne tes points. Voilà. Déplace-toi. Augmente. Déplace-toi encore plus. Je vois que même après toutes ces sessions, tu oublies encore d'attaquer. Non, 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 c'est juste que... C'est juste que j'ai mal joué au début. En fait, t'es arrivé au moment où... T'as vu quand même le passage où je faisais des trucs avec Bernard tout à l'heure, quand même. Rassure-moi. Qui veut ma vie? Parce que toi tu tapes fort, 3. C'est pas une question, tu as oublié une attaque? J'ai oublié quelle attaque, hein, parce que j'ai relancé le jeu. Là je me suis juste déplacé. J'ai évité de me faire toucher. L'idée c'est principalement ça. Parce que je peux pas les taper à deux là. Quand je suis tout seul. Ah, pas depuis que j'ai reset, ok. Non mais juste avant, j'ai fait que du caca. T'as dû remarquer que j'ai reset à cause de ça. Donc, toi tu as 4, donc tu vas pas mourir du premier coup, toi. Et toi, tu as 3, donc c'est pareil, tu m'emmerdes. Vous m'emmerdez tous les deux. Franchement, vous me cassez un peu le truc, hein. Bon, on va faire de notre Bourinos, parce qu'il va pouvoir prendre de la vie. 4, 3, ça fait 7. On va prendre cher. Je pense que c'est parti. Ah! C'était trop cher à payer. D'accord. Bah, Dieu verra, hein. Bah non, parce que on a personne. Là, je vais pouvoir faire une ligne, mais ça change pas grand chose. J'ai pas de déplacement, en fait. Il y a un problème de déplacement. Vraiment. On le finisse, lui. J'en peux plus, lui. Bah écoute, maintenant qu'il a payback, on va pouvoir se barrer. C'est qui a payback? Attends. Faut que lui il ait payback.
Ouais. Du coup, c'est Vera qui prend. Bon, d'après vous, qui vous pensez? Bah ouais, c'est ça en fait le problème. C'est t'as vu tous les spawns. Et en fait, tu commences mal parce que t'as en plus les boules de neige là qui bloquent. Et on doit sauver, on doit être ici, à peu près. Donc, on est dans le caca. Je crois que je vais utiliser Payback sur Vera. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour Vera parce que sinon, en fait, elle va jamais s'en sortir. On va se mettre là. Et voilà quoi. Le problème, c'est que je peux. Le Berserker, c'est le behemoth là. Je l'ai déjà essayé une fois, sauf que tu peux pas bloquer tous les spawns en même temps. Il y en a, ils sont au même moment. Et c'est pas le plus compliqué en fait de se débarrasser des gens qui spawnent. Le plus compliqué, c'est ceux qui sont bourrins. Ouh, ça c'est bien ça. Est-ce qu'on peut upgrade quelque chose d'intéressant, genre... Si t'es sur la case, tu bloques. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que je puisse arriver avec le behemoth dessus. Et le déplacement du behemoth, il est bien, mais il est pas si grand que ça. Et ça veut dire que je peux bloquer quelqu'un ici, par exemple. Mais ça m'empêche pas... En fait, ça empêche pas les bourrins qui sont autour, en fait. Aussi, il Bernard. Bernard qui? C'est qui Bernard? Le baril? Bah, de toute façon, là, il va lui prendre 3, on va voir. Je vais ramener le... Là, il a... Ouais, il a 9. En fait, le problème, c'est lui, il donne des bons coups, quand même. Mais là, si je m'approche juste de lui, normalement, je peux le taper. Et il a que 3 points de vie, donc ça devrait être bon. En fait, c'est juste... Eux, c'est efficace direct, ça devrait être bon. Le poteau à protéger. Oh, je peux pas heal. Je peux pas heal, si tu veux que je te montre. Je ne peux pas heal. On va faire ça. On va s'approcher. On va ramener Teen Spirit, parce qu'on en a besoin. Teen Spirit a du déplacement, par contre. Il a même double de déplacement, tu vois. Par contre, il faudra qu'on puisse gérer la suite. Est-ce qu'on passerait par là? On va se débarrasser de lui, comme ça nous permettra de faire quelque chose. En fait, il faudrait que j'ai que des fantômes qui se déplacent. Qui veut de la vie? Qui veut de la vie? T'as besoin de vie? Non. T'as besoin de vie? Tiens, prends les vies. Et en plus, le truc, c'est que j'ai deux objectifs. Le premier objectif, c'est qu'ils prennent pas coup. Donc du coup, il y a moyen de pouvoir faire en sorte qu'ils prennent pas coup. Mais j'ai que un BMOD en tant que monstre. Donc là, faut que... Là, les prochains, c'est les bons. Hein. Donc, faut que j'aille le plus vite possible. Aller jusqu'en haut. En fait, faut tellement pas s'occuper des spawns, j'ai l'impression que... Là, je devrais m'occuper de lui, en fait, parce qu'il a... Non, il a que 2-3 d'attaque, ça va encore. Celle, là, elle est vénère. Après, j'avoue, depuis le début, j'ai pas fait la partie en entière pour voir jusqu'où ça va. C'est-à-dire que, en général, Vera meurt vite, quoi. Mais là, on est dans une sorte de panade incroyable.
Oh, il y a Chucky qui arrive. Est-ce qu'on n'augmenterait pas notre attaque de... Voilà. Ah, ça fait 3. Tellement de vie pour rien. Alors, est-ce que je peux aller jusqu'à notre sniper? T'as pas de carte d'unité infinie. 0, tu veux dire? Non, j'ai... Oui, c'est pas infini, les unités, oui. Elles reviennent dans les decks si elles crèvent. Exactement. J'ai essayé de bloquer les snipers, mais... Ça va être l'enfer. Là, je peux rien faire, en plus. Chucky, ça peut être intéressant, parce que Chucky, il amène les gens. Sauf que j'ai qu'une carte de Chucky. Et je peux pas en acheter plusieurs, de mémoire. Et là, j'avais pas un payback sur quelqu'un, hein, sur Vera, genre, ou quelque chose. Ou c'était dans la partie d'avant. Parce que là, les bombes éclatent. Ouais, voilà, c'est bien ce que je vous disais. Ah, donc, eux, ils ont la game de... Faut vraiment se débarrasser du sniper, c'est pas possible cette histoire, en fait. Faut que j'ai 2 d'attaque, là. Donne-moi 2 d'attaque, s'il te plaît. Ou Teen Spirit d'un coup. Alors, du coup, on va claquer ça, déjà. Attends, il faut 1, 2, 3, au moins. Bon, toi, tu vas faire ton attaque, déjà. Voilà, comme ça, c'est fait. T'as de la place. Toi aussi. Maintenant, il faut absolument que je puisse déplacer notre ami, qui va nous donner du déplacement gratuit. Attaquer. Voilà. On va rajouter ça pour la gratuité du truc. On va restaurer de la vie à quelqu'un. Qui a besoin de vie? Toi, t'as besoin de vie. Voilà. Claquer ça. Parce que là, je pense qu'on a plus ou moins réussi à la bloquer. Mais je pense qu'elle va le taper. Donc en fait, il lui restera une vie. Comment dire? C'est l'enfer! Mais non, en plus, si toi tu tapes, non mais bah, sérieusement, pourquoi? Pourquoi vous avez essayé de viser Bernard à ce moment-là, les gens? Vous spawnez depuis tout à l'heure et vous me visez moi. C'est honteux. C'est honteux. On va quitter ce jeu, c'est honteux. Je rage quit, c'est fini. J'en ai marre. Écoutez, bon, on s'en fout d'eux. On va faire comme si on les avait pas vus. Faut absolument que je me déplace ici, voilà. Je m'en fiche. Vera va mourir vite, hein, mais c'est pas grave. Au moins on sera sur la place. Depuis tout à l'heure, ils font que viser les spawns. Pourquoi tout d'un coup ils visent Bernard? Quel enfer! Il a 20 points de vie, on n'a même pas le temps d'arriver. Bon, prends ta vie. On va pas prendre Bamboomer. Je suis désolé, hein, Bamboomer, mais t'es efficace, mais pas à ce point-là. Ouais. Vas-y, mais on a rien d'ac... On a rien de déplacement. C'est pour ça que je voulais m'arrêter, c'est parce que je savais que j'allais ça m'énerver. Mais c'est vrai que vous êtes tous les deux à 12, lol. C'est exactement ça. Tiens, prends de la vie. Prends de la défense. J'ai payé pour la défense, tu veux pas? Mais regardez-moi cette avancée. Pourquoi? Pourquoi? Ah, là, je paye. Tiens, prends ta défense. Tiens, prends-toi ça en passant. Ça sert à rien de déplacer ce truc-là, ça sert à quoi de faire ça, là? Sérieusement, pas envie, moi. Ça, par exemple, ça sert à rien. Grand shoot, faudra me rappeler qu'il faut l'enlever. On se déplace. Allez, ça y est. On va
Ouais, faudra que je me rappelle que là, on n'a pas de terrain, on n'a pas de protection, en vrai. Ça sert à rien d'avoir la carte pour se déplacer sur les dents. Oui. Ça va plus vite, en effet. Non, mais là, tu veux faire quoi? Le mec est mort en deux tours. Il tape à 6, les gens. Fatigue d'avance. Allez, on va se mettre là. Attaque de ligne. Prenez cher. J'augmente mon attaque. Et je t'attaque. Voilà. Je vais mettre Bird's Eye. Bird's Eye, si tu veux, tu peux taper ça. Voilà, merci. On va faire comme Rainbow a dit. Non, 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 ok. Il est trop bien, le petit oiseau. C'est le seul truc qui me rassure dans cette game. Le sniper de l'enfer. Allez, va chercher notre copine, la snipeuse, s'il te plaît. Un petit payback là, ça aurait été génial, son compte. Ah, ça y est, toi tu te protèges maintenant. Ça y est, c'est nouveau, t'es à 3 de la vie, ça y est, tu te protèges. Mais sérieusement? En plus, ils en veulent spécifiquement à mon fantôme. Hein. Ils aiment pas l'esprit adolescent. Bon. Ouais. Je vais augmenter ça. Merci. Ça peut toujours servir. Oh non! Ont-ils osé? Laisse-moi passer. Je veux juste taper elle, là. Elle m'en supporte. Oh, il reste un point de vie! Quel enfer! Dis-moi qu'elle est détournée au moins de son attaque, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Lui... Non mais c'est pas possible, les spawns... Regarde-moi ça! Il y en a un qui vient de traverser, il y en a un autre qui arrive! Voilà, Vera est dead. Allez, c'est bon, on arrête. On va essayer avec la technique de Rainbow, c'est-à-dire péter tous les trucs de... Juste ça, et après on part. J'en peux plus. Ça me fatigue. On va péter toute la neige. C'était mieux en tout cas, oui bah c'était pas très compliqué hein, de faire mieux je pense. J'aurais dû faire gain d'attaque avant. Non, je peux aller me faire foutre. Ah oui c'est ça. Ça va plus loin. On va plus loin. En fait, il faut juste qu'on soit au milieu et qu'on ait que des paybacks, et c'est magnifique. Et après, on a ton Teen Spirit pour pouvoir défoncer le sniper. Voilà. C'est le seul truc qu'on va faire. On va charger les deux qui vont être au milieu, et
On va voir ce qui se passe. Voilà, par exemple, là, on a l'armure. Est-ce que ce serait pas mieux de bloquer en armure notre... Voilà, on va dire que c'est ça, hein. Toi, tu veux aller mourir? Viens mourir. Je vais te taper deux fois. En premier, parce qu'il y a un avantage de taper les premiers, bien entendu, c'est totalement faux. Et je vais reculer, comme ça tu pourras pas me toucher tout de suite. Voilà. J'ai deux, j'appelle Chucky. Chucky, tu peux mouver... Non, pas tout de suite. Je veux voir comment Chucky il peut jouer. Parce qu'en fait, c'est ce qui est pas mal avec Chucky, c'est qu'il va tirer les gens vers le bas. Si on est en... Vu qu'on est en bas. Un petit payback, là, ça aurait été pas mal. Donc lui, il va aller essayer de dégommer les gens. On connaît les librairies. On connaît les bouts. Voilà, payback. On va peut-être d'abord prendre toi, hein, tout ça, merci. Teen Spirit qui arrive, super. Teen Spirit, tu veux pas avoir payback? Genre juste pour la déconnade? Parce que tu mets quand même 5... Tu mets quand même masse de coups, quoi. Je vais l'abandonner là. Voilà. Je vais aller là. J'ai envie de faire ça. Peut-être même aller jusqu'au bout. Et de faire ça. Voilà, comme ça. T'as envie de te déplacer? Parce que ça, toi c'est une unité d'attaque de loin quand même. Hein. Donc en soi, ça peut être intéressant que tu sois là. Donc là, on peut choisir Teen Spirit. Ouais, c'est Teen Spirit. Voilà. On va faire comme ça, on verra après. Pour l'instant, ça a l'air plutôt bien. On aura deux protections potentielles. Payback. Bim. Voilà. Chucky est là. Je te hais. Je te hais, spawn de caca. Donc là, il va faire 3 d'attaque. Voilà. On va peut-être augmenter monsieur. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, je peux faire ça. Si je fais ça, je peux le taper devant comme ça. Oui, oui, voilà, c'est bon. Adieu. Voilà, maintenant, on est en place. On a trois côtés. Il manque plus que le snipe. Donc on va ramener Chucky ici. Ah ah! Ça, c'est intéressant. Un peu de vie pour notre cactus, s'il vous plaît. Un petit peu de vie pour notre cactus, s'il vous plaît. Merci. Un petit peu de vie est demandé à l'accueil. Un petit peu de vie, merci. Merci. Est-ce qu'on ferait pas une charge directe? Bon, déjà, toi, je vous aime pas. Déjà, ça c'est fait. Est-ce qu'on fait une charge vers notre... Alors, attends, parce que là, mon déplacement, il va aller où, jusqu'où? Et ça me tire. Donc, si je me mets là, c'est impeccable. Et du coup, ouais, je pourrais taper qu'une fois avec... Ah bah non. Logique. J'ai envie d'aller là. Deux d'attaque. Il y a 8 de vie.
En fait, je peux la poursuivre. Je pense que je vais faire ça. Parce que là, je vais pas perdre beaucoup de vie en vrai, si je la poursuis. Par contre, elle va prendre cher. Et le but, c'est qu'elle prenne cher, quoi. Ça. Voilà, salut. Donc là, il va sans doute perdre une armure. Parce que notre spawn, là, il va forcément y aller. Ah non, même pas. Ah bah, c'est intéressant. Ah, ça fait perdre de la vitesse. I'm shocked. C'était tellement bien parti. Vas-y, on va le faire, ouais. Là, on a perdu que de l'armure. Je suis choqué qu'il ait 4 de vie. Mais j'ai remarqué qu'il y en a qui étaient boostés. Des spawns aussi. Vas-y, on va faire. J'en ai marre. On le fait. On le fait tout de suite. On va mettre tout de suite Teen Spirit. On va lui donner toutes nos capacités possibles. Pour qu'il y aille. Solo. Bien entendu. Même elle est là pour pouvoir spot sur mon vie. Mais j'ai envie d'aller, bien entendu, charger quelqu'un. Vous doutez qui, hein. Je vais peut-être pas le faire maintenant. En vrai, je devrais toujours partir par là, parce qu'ils sont plus proches, en vrai. Si j'arrive à avoir la snipe directe, c'est trop bien. C'est trop bien. Parce que là, ils sont déjà détournés, tu vois, par exemple, d'éviter de taper Bernard. Donc moi, je vais aller juste la taper. Voilà. Je peux même m'enfuir, parce que je suis un lâche. Tout le monde le sait. Est-ce qu'on ferait pas un truc genre... Ah, je m'enfuis et je me protège. Il fait vraiment perdre de la vitesse. Hein. Ah, ça les énerve, hein, Teen Spirit. Oh là là. Ils sont vraiment focalisés sur Teen Spirit, là. C'est ça parce qu'on a touché à votre sniper. Bah, ça va être la technique, hein. Je tire une carte. Un bon boomer, génial. Remarque, oui. Est-ce que tu te déplaces bien? Non, pas du tout. Mais par contre, tu peux taper loin, donc ça, toi, ça peut être intéressant si tu es là. Voilà. Et du coup, on t'a pas déplacé, on t'a pas donné de vie. Bah, courage, hein, petit fantôme. Si petit fantôme, tu veux bien aller plus haut, genre très haut là-haut, ça peut être pas mal. Un tout petit peu plus haut. Mais là tu meurs, là. Non. Tu vas faire quoi? Bye.
peux pas attaquer un truc pour pouvoir que je puisse traverser, hein. Genre ça. Merci. Non. Non, nique-moi. Bon courage, hein, petit, hein. On remarque je pourrais juste me déplacer de 1. Faire ça. Voilà, attaquer quelqu'un. Comme toi. Ah ah, tu ne t'y attendais pas à ça. Je suis sûr que je pouvais l'attaquer lui aussi, mais c'est pas grave. C'est incroyable l'histoire du petit fantôme, on a gagné des tours grâce à lui. Le sniper qui est revenu dans ses bails. C'est des beaux bails. C'est des bobos. Lol. Oui, cactus qui arrive. Bird's Eye aussi. Bird's Eye a plus de déplacement. Ouais, bon, écoute, écoute. Tu veux pas gagner de la vie en plus? Ça sert à rien d'utiliser Payback avec notre cher ami. Donc on va faire ça. Voilà. Faut que je regarde le... En fait, je suis pressé, là. J'ai envie d'arrêter. Donc je vais... Prochain... C'est la dernière, je pense, parce que ça me fatigue. J'avais pas calculé ça. Voilà. C'était bien, hein, c'était la fin. Merci d'avoir été dans le coin. C'est cool d'être aidé, quand même. J'avoue que je ne fais plus d'efforts à partir d'une certaine heure. Vous avez dû le comprendre. Qui qu'on va voir? Est-ce qu'on n'irait pas voir Jellybee? Alors attends, ça fait quand même un moment que Jellybee est là, je crois. Ça fait depuis ce matin. Ah non, ça fait 1h40. Il y a dû avoir une pause. Donc je vous envoie là-bas. Merci à vous d'avoir été dans le coin. C'est cool toujours d'être aussi préparé que moi. Merci pour les streams, malgré les galères. Ouais, bon, tu sais, c'est l'habitude, hein, le cheap stream, c'est un peu ça. Merci Nagual aussi. Merci Tomato Juice. Allez voir Tomato Juice sur la chaîne qui n'est pas du tout Tomato Juice sur TikTok. Bien entendu. Merci Nagual d'avoir été dans le coin. Vous avez vu à quel point j'ai du mal à avoir du cerveau encore après autant de tâches. Je pense qu'il y a un vrai problème de deck, mais je sais pas exactement ce qui nous manque. Je pense qu'il faut vraiment acheter des trucs. Voilà, il reste 40 secondes, donc on va dire qu'on achète en déplacement. Voilà, salut. Et allez voir Ring Bell aussi. Bien entendu. See you soon. Je vais changer. Hop.